si aujourd'hui on brille autant, c'est parce qu'on ne date pas d'hier. Cette cérémonie a été créée pour mettre en lumière les acteurs des cultures populaires francophones et la qualité de leurs œuvres. Plus qu'une compétition, les flammes, c'est une célébration. La célébration des cultures issues des quartiers populaires dont les codes et références parlent aujourd'hui à plusieurs générations. Alors soyons fiers de qui nous sommes et continuons de briller. À l'image de nos cultures qui grandissent, rassemblent et traversent le temps, une flamme constamment nourrie est éternelle. Les flammes, première édition, vous souhaite la bienvenue. Et pour ouvrir cette cérémonie, le brillant Fari. Alors, voilà ce que je vous propose. Venez juste pour le délire. Pour le délire, hein. On donne l'album de l'année à Vianney. Moi, ce que je propose, c'est qu'on mette un Vianney d'or tous les ans, ok? Et même s'il ne sort pas d'album, boum, Vianney d'or. Comme ça, c'est quand même la France, tu comprends? C'est, j'ai pas mal hésité avant de venir. Allez-y, installez-vous. Ouais, c'est quand même une cérémonie urbaine. Allez-y, installez-vous, bande de chiens. Vas-y, la tête de ma mère, ça respecte rien. Vas-y, installe-toi. Ok, super. J'ai hésité à venir parce que moi, j'avais fait un moment les Molières. J'étais arrivé, j'avais dit « Salut les Blancs ». Et du coup, je sais qu'à une cérémonie ici, dite urbain, on s'attend de moi à ce que je dise « Salut les Noirs », alors que ce n'est pas du tout le but ici, puisqu'il y a aussi des Arabes. On peut faire un maximum de bruit pour Hamza, 2 nominations ce soir. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est là déjà, yes. Featuring de l'année. Morceau de l'année, c'est incroyable. C'est tout l'inverse d'un truc lié aux origines, les flammes, d'accord? Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Asiates, mais il y a aussi des producteurs, des patrons de maisons de disques. Parce que derrière tout grand homme, une femme se cache, mais derrière tout grand rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash. Et ça, c'est bon à savoir. Ouais, on se réveille. Alors, je ne sais pas encore si c'est une blague discriminante ou plus grave, antisémite. Mais Twitter nous le dira. Alors, moi, j'ai un petit peu hésité avant de présenter la cérémonie parce que j'hésitais un petit peu sur le nom, les flammes. Je ne sais même pas comment ils ont vendu ça au Théâtre du Châtelet. Il y a les Césars, le Ballon d'Or, c'est les gens de théâtre, c'est des gens un peu fermés. Donc j'imagine quand on leur a dit urbain, ils ont dû se dire mec de banlieue, casseur, voiture brûlée. Et comment ça va s'appeler? Les flammes. Bah venez, on l'appelle garde à vue pendant que vous y êtes. Alors les flammes, c'est beaucoup plus poétique que ça, d'accord? Les flammes, c'est scintiller, briller comme une étoile, mais venue du sol. Ok, parce que la plupart des gens ici, ils viennent, ils n'ont pas été pistonnés, ils viennent de nulle part et vous avez grandi et vous êtes arrivé jusque là. Il y a un seul critère ce soir, c'est faire de la bonne musique et avoir perdu au Energy Music Award face à Matt Pokora. Parce qu'il y en a beaucoup ce soir. Ouais. C'est une cérémonie qui est censée mettre en avant la culture urbaine, dite urbaine, mais plus une culture qui n'est pas assez mise en avant, une France qui n'est pas assez mise en avant. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire mettre en avant la langue française, parce qu'il y a quand même Gazo à cette cérémonie. Gazo. Gazo, à l'oral, il peut faire des ratures. Mais Gazo, nominé pour album de l'année, meilleure musique de l'année, artiste de l'année, il a 7 nominations à lui tout seul. Alors la blague sur le français, elle fonctionnait aussi avec Aya Nakamura, mais on fait trop de blagues là-dessus. On ne dit pas assez de Aya Nakamura que c'est l'artiste francophone qui vend le plus dans le reste du monde.
C'est fou, hein, de tous les artistes francophones, alors qu'elle utilise si peu le français. Et ça, après, ça a du sens, parce que dans le reste du monde, je pense qu'ils pensent qu'elle parle dans leur langue. Moi, c'est ça mon problème, c'est que si je vais venir ici, je vais faire des vannes sur les gens, ok? Et je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs dans la salle, à tout moment, ça peut partir, ah, ça veut faire les gens. Et je sais que, tu sais, dans le rap, il y a eu beaucoup de clash déjà, y a eu, on les connaît tous, Booba, Rof, Booba, Caris, Booba, La Fouine, Booba, c'est comme Fast and Furious. Quand tu penses qu'il y en a trop eu, il revient avec un nouveau, quoi. Tu sais, il n'y a pas encore eu d'intelligence artificielle sur Twitter. C'est une intelligence artificielle qui tweet toute seule. Je pense qu'elle existe, juste elle a peur de Booba, quoi. Après, moi, je ne veux pas rentrer en clash avec Booba, d'accord? Donc Booba, si tu nous vois, et je sais que tu nous vois, ces blagues-là, c'est Kobalade qui les a écrites. Je sais que c'est pas facile de tous vous avoir ici ce soir. Beaucoup ont joué le jeu et c'est fort, c'est bien, vous avez soutenu. Je pense que c'est l'une des seules fois en France où on aura dans une même salle autant d'égo réunis. Et du coup, je pense que je vais y aller un petit peu mollo parce que je veux pas d'histoire après. Moi, j'ai déjà eu des histoires. Tu sais, j'ai fait une blague une fois au César qui a été très mal prise par Thomas Njijol. Ouais, il a voulu se battre et tout avec moi, pour de vrai, hein. Et bagarre nulle, vraiment la bagarre la plus nulle de France. C'est la seule bagarre où si tu l'as ratée, tu dis putain, ça devait être marrant. C'était... Et tu sais, je me suis dit, mais attends, une blague, il veut se battre avec moi, mais on n'est pas dans le rap game. Et ensuite, j'ai réalisé cette phrase que je me suis faite à moi-même. C'est logique, même pour moi, que rap, ça aille avec violence. Et par extension, urbain. Et par extension, ceux qui représentent l'urbain. Et c'est pour ça qu'après, ils vont nous représenter comme ça. Parce qu'ils veulent nous représenter comme ça. Après, ils vont nous représenter comme ça dans les films genre Bac Nord, Athéna, comme des animaux haineux qui font des cassures. Après, c'est bien filmé, hein. Attention, c'est très très bien filmé. Athéna, pour leur défense, Athéna à la base, c'est inspiré d'un un remake. À la base, c'est un documentaire qui était sur CNews, coécrit avec Pascal Pro. Et tu sais, je ne sais pas ce que ça veut dire urbain. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête d'utiliser ce terme. On va arrêter à partir de ce soir d'utiliser le terme urbain parce que ça englobe beaucoup plus, beaucoup de genres musicaux. Il y a du rap, il y a du R&B, il y a de la pop. Ça englobe l'afro, le caribéen, du Jul. Et Jul, je ferai aucune blague sur Jul. Jul, il a vendu autant de disques de platine que Johnny Hallyday en claquette. C'est de là qu'elle vient cette culture. C'est ça la culture qu'on a et qu'on partage. Donc on va arrêter de dire urbain, ça veut dire quoi urbain? Ils enregistrent où les autres? Dans la forêt? Je veux dire à part Zaz, elle, je veux bien. Mais genre, ça veut dire quoi? Oui mais tu connais, c'est une culture de la rue, un public. Nous on a grandi où en fait? On n'a pas de parents? On est des tortues ninja, c'est quoi cette histoire? Quel album urbain a été enregistré dans une Clio 2? Alors peut-être que urbain ça veut dire musique sur laquelle tu peux danser en rythme. Est-ce que urbain, ça veut dire musique qui vend le plus que tous les autres genres musicaux réunis? Est-ce que avoir la culture urbaine, ça veut dire que tu as une culture avec laquelle tu ne seras pas pistonné? Est-ce que culture urbaine et urbain, ça veut dire culture qui est la plus aimée des classes populaires? Est-ce que ça veut dire culture la plus aimée des jeunes? Est-ce que ça veut dire le futur? Alors si urbain, ça veut dire tout ce que je viens de dire à l'instant, je serais fier ce soir d'ouvrir la cérémonie, la première cérémonie dédiée aux cultures urbaines. Bienvenue, mesdames et messieurs, aux flammes. Merci, merci, merci beaucoup, Farid. Merci. Et pour commencer cette soirée exceptionnelle, des artistes exceptionnels. On démarre tout de suite avec du très lourd. Il nous offre un morceau inédit. Tiré de nos limites, ça sort ce soir directement sur toutes les plateformes de streaming. C'est Gazo avec Damso. Hey, c'est comment les flammes? Tiens, hey. Ouais. Si eux c'est là, ben dis-moi nous on est. J'ai vendu là, garage j'ai pas eu le. Hey. Si eux c'est là, hey.
Ouais. Si elle c'est là. Ouais. Hey. Si elle c'est là. Si elle c'est là. Bah, dis-moi nous on est quoi. Dis-moi nous on est. C'est que j'ai vendu la pure. Là-bas j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. J'ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Je les vois parler de hurle. Mais dis-moi si tu les vois. Si elle c'est la hurle. Nous on est quoi? Nous on est quoi? J'ai vendu la pure. J'ai pas eu le choix. Je les ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Faut qu'on parle de hurle. Faut qu'on parle de. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? J'ai taillé une enveloppe. Aussi j'ai le talent, c'est développe. Codé in dans mon 7-up. Je vois une GK, je pense au level up. Ma haine est communautaire. Envoyez à ma communauté menottée. Disparaît comme une hôtesse. J'apparais comme une OD. T'es chéri, j'ai mis des litres. Et puis j'ai vendu des lignes. Et leur dit, je le souligne. Je leur dis, je le souligne. En période de guerre, on vise au-dessus de la ceinture pour qu'ils ne reviennent. En même temps, on fait la guerre. On boit un verre à la tienne. Si t'es mon gazon, on y va ensemble. Si t'es mon gazon, on y va ensemble. On parle pas en cul, on les met ensemble. Faut qu'on laisse tout le monde ensemble. Beaucoup ont vu leur vie se décimer. Vu leur vie se décimer. Mon cœur est pourri, ouais, mon cœur est déchiré. Si elle c'est la pure, si elle c'est la pure. Bah dis-moi nous on est quoi. Dis-moi nous on est. C'est que j'ai vendu la pure. En cas j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. J'ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Je les vois parler de hurle. Mais dis-moi si tu les vois. Si elle c'est la pure. Si elle c'est la pure. Mais nous on est quoi? Nous on est quoi? J'ai vendu la pure. J'ai vendu la pure. J'ai pas eu le choix. Je les ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Faut qu'on parle de hurle. Faut qu'on parle de hurle. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les veilles? Tu chantes, tu suces, tu rentres la culture, te remercie. La malade gang, le négro aussi. J'ai vendu la mort, j'en ai fait un V. J'suis féministe comme lui, réel, ça m'empêche pas de te traiter de pute. Le cas en Kevlar, j'parle post-type. J'remplace prénom et non pas. Si eux c'est la hurle, nous on est quoi? Le bruit et l'odeur du canon scié. Gros, ces rappeurs font que du ciné. Font des longs albums juste pour streamer. Discret, précieux, sévère. J'suis le cylindre au bout du Uzi. Cette année, le thème s'il est vilain. La petite sphère va manger Gucci noir. Quelqu'un est gros malhonnête. Quelqu'un est gros malhonnête, moralement condamnable avec qui je traîne. Si fait parler de vendre la neige, j'ai vu gratter la fin t'as de la scène. Si t'es mon gazon, on y va ensemble. Si tu fais ta salle, ça finit ensemble. Ouais, c'est le plat, t'as le blow. Si elle c'est la rêve, bah dis-moi nous on est quoi. C'est que j'ai vendu la pure. Mon gars, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, j'ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Je les vois parler de hurle. Ouais, dis-moi si tu les vois. Si elle c'est la hurle, mais nous on est quoi? Nous on est quoi? J'ai vendu la pure. J'ai vendu la pure. J'ai pas eu le choix. Je les ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Faut qu'on parle de hurle. Faut qu'on parle de. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Pow. Langage pour lui, la famille. Non, on est quoi? Ben nous on est quoi? Merci, merci à eux, merci à eux. Faites du bruit pour Damso et Gazo, s'il vous plaît. Bon, maintenant il est temps d'accueillir celle qui va être notre maîtresse de cérémonie ce soir. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour la talentueuse, la brillante Fadili Camara. Bonsoir Fadili. Bonsoir. Les flammes, je vous entends pas là. Non, attendez, je vous entends pas, on y va. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous qui êtes chez vous. Bonsoir à vous qui êtes dans la salle. Faites du bruit pour vous. Eh, je suis tellement contente d'être là. Driver. Ouais. Comment ça va, mon gars? Bien, et toi? Ah, on est là, franchement, très honoré, très honoré. On a du beau monde ce soir. Ouais, t'es ravissante en tout cas. Merci, arrêtez. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils le montent pas trop un peu. Faites du bruit pour Fadili Camara. Il y a pas de compteur, je vois rien. Voilà. Ok. On est ensemble pour cette première édition des Flammes. On est ensemble pour cette saison de mars. On est ensemble pour cette première édition des Flammes. Cette cérémonie qui récompense les cultures populaires. Pour m'accompagner, encore une fois, une des voix
les plus importantes du hip-hop français, Driver. Refaites du bruit pour Driver, s'il vous plaît. Ça va. Merci, 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 merci. Merci, merci. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Est-ce qu'on est prêt à démarrer, les gars? On va démarrer sans plus attendre. Pour la première catégorie, on se devait de commencer par eux parce que sans eux, il n'y a pas de musique, puisque c'est eux qui la font. Je parle évidemment des compositeurs. Tout part d'une instru. Tout part d'une instru. Ils ont trop souvent été dans l'ombre, donc aujourd'hui, c'était vraiment important pour nous de commencer par eux. Et pour remettre ce prix du compositeur de l'année, l'un des plus grands producteurs, il a traversé les époques. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour l'homme que l'on appelle Monsieur Thérapie. Bonsoir à tous, très content d'être ici. Donc pourquoi depuis le début du rap, les beatmakers sont essentiels? Parce qu'ils innovent, repoussent les limites et façonnent le paysage sonore qui définit notre époque. Il faut rendre hommage à ces génies de la musique, des profils souvent discrets, dans l'ombre, mais qui traduisent en notes le ressenti des artistes. Là, je vais parler au nom de tous les beatmakers, compositeurs, réalisateurs. On n'est peut-être pas des stars, mais toutes les stars nous connaissent. Jim Jones. Donc, dans la catégorie compositeur de l'année, sont nommés Flemme. Flemme. Pat Tiller, Fog le Lin, RB Mac Miller, Al Freezer. Toujours anti-diable, Pac Teaser. Shuriken Music. Tariq Azou. Alors, c'est le moment de vérité. Le ou les gagnants est Tariq Azouz. Tariq Azouz a connu une année florissante. Il a été aperçu sur l'album de Dossé, Trop tôt pour mourir, ou encore Seum de l'Esram et Le Gang de Da Uzi. Le compositeur Made in France s'invite sur les projets américains de Denzel Curry et Mary J. Blige et produit 8 titres sur God Did, le nouvel album de DJ Khaled. Merci frère. Waouh, wow. Merci pour le nez, merci. Merci beaucoup, merci vraiment. On m'entend ou pas, ça va? Merci beaucoup pour ce prix, vraiment je suis honoré de recevoir ce prix. C'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d'investissement. Et pareil, je peux parler au nom de tous les compos. C'est plus qu'un métier, c'est notre vie. On donne vraiment beaucoup pour ça. Donc merci beaucoup vraiment, c'est très gratifiant de recevoir ça. Merci. J'en profite pour saluer tous les compos qui étaient nominés avec moi, ceux qui étaient prénominés, même ceux qui n'étaient pas nominés parce qu'il y en a plein qui auraient pu l'être. Je pense à Zekpi, Amine Farsi, Boumidjal, BBP, il y en a plein, je ne vais pas tous les faire. Mais voilà, merci. Et bravo à eux aussi. Je voudrais remercier mes parents, bien sûr, maman, papa. Mes amis, ma famille, mon grand frère, Grenouille, bien sûr, tous les artistes avec qui j'ai travaillé cette année, que ce soit aux États-Unis ou en France ici. Je suis très fier de pouvoir faire les deux. Je suis fier qu'on puisse faire la musique qu'on a envie de faire et pas la musique qu'on doit faire pour passer sur telle ou telle radio. Merci aux Flammes, merci au jury d'avoir voté pour moi. Vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Et merci à Jay-Z pour les 80 mesures. Merci. On continue la soirée avec une très grosse performance live du show.
KERC. C'est le cas, c'est le C. Avec un peu de confiance, ça va le faire. Hey, le soleil se lève en même temps que ma beuteux. Aujourd'hui, je fais des bêtises. Je lui parle pour qu'elle garde ma drogue. Un petit cœur, chaque t'es un bâtard. Je fais des sous sales, j'ai des soucis. L'argent, y'a que ça qui m'adoucit. Je sais ce que je fais, comment les choquer. J'appelle mes assassins. Le barrage, je connais. Le studio, je connais. C'est en petit pharaon, on va plus te connaître. Le couteau, il est caillard. Il fait la taille de Isaac Touré. C'est le K, c'est le Z. Les mecs que tu respectes se la mettent dans le Z. Pour le haze et pour la purple haze. Putain de flocon, lâche ma pétrole dans ton propre bain. Quand c'est carré, je ramène tout le monde dans ses propres. Bébé, t'as ramené des sous-vêtements. Si tu voulais vraiment qu'on parle, c'est de très long, je suis à la fenêtre. Tiens la langue, je fais le nom de la tête. Je m'en ai trop fait, j'ai mis trop de place. Chabonnet, tu faisais la fête. T'as crié partout, t'as les nouettes. Wesh, t'avais même joué à la mec. Chercher, creuser tout ce qu'il faut. Je l'ai pas acheté pour snapper avec. On rentre caboulé dans la barre. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte. Fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Hep, je dirais trop plus pour les frérots. Death, faudra pas streamer quand on sera dead. Quand on sera dead. On rentre caboulé dans la barre. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte. Fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Hep, je dirais trop plus pour les frérots. Death, faudra pas streamer quand on sera dead. Quand on sera quoi? Le mouton fait la taille de Isaac, il fait la taille de Margot. Si les deux sorties, je démarre. Je laisse un paquet de feuilles à chaque rotation. Ça me remercie pour la démarche. J'rentre dans ma tête comme un champ. J'aime ta vie, si je la chante. Son téléphone part dans la journée. Tout. Ce soir, je vais faire des agents. Son puis la rue et la drogue. Mais faut on tirer la porte, c'est moi qui la tue. C'est ta pute, c'est moi qui la tue. Pendant qu'elle fait la mort. Maintenant, j'sais pas où t'es, t'es what. Quand ça vendait la coke, la wax. Ça me poule un bon bâti, what. Et qu'on fait pas n'importe quoi. J'te dis de ramener mon argent. Cette fois, j'te dis de ramener mes sous. La prochaine fois, qui méga descend. Préviens tes proches, j'aurai des desserts. J'suis venu, j'ai vu, j'suis venu, j'ai pris. J'suis venu, j'ai tout mangé, même le dessert. On arrive dans leur place, c'est désert. J'en crois un, je vais faire pleurer sa sœur. T'as ramené le mili, t'as ramené Narguilé, t'as ramené le kill. Bien vu. On avait la cipette, on avait le boudoum de la Clio 2. Ils ont rien vu. On avait la MD, on la Mercedes, ils ont rien vu non plus. Laisse-nous faire, laisse la guerre, c'est pas ton truc. C'est le cas, c'est le Z. Dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas la mort qu'ils me connaissent. Ils arrivent pas à suivre la cadence. Comment tu me détruis ta daronne. La vérité est dure à entendre. J'ai vu des planches dans des tombes, donc c'est pas tes filles qui vont m'attendre. C'est le cas, c'est le Z. Dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas un an qu'ils me connaissent. Ils arrivent pas à suivre la cadence. Comment tu me déçois ta daronne. La vérité est dure à entendre. J'ai vu des proches dans des tombes, donc c'est pas tes filles qui vont m'attendre. Le cas c'est le 7. Le flow. C'est le cas c'est le 7. C'est le cas c'est le 7. Incroyable, incroyable. Merci les gars. Après une prestation de ce calibre, la transition est toute trouvée pour la deuxième catégorie. Pour la flamme du featuring de l'année, les nommés sont A ta santé de Tiakola featuring Hamza. Bébé, j'hésite en fond de nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous. S'ils reviennent, le Bodies de Gazo featuring Damso. Pompez-la au charbon quand j'ai la flemme. Sous drogue, sous l'un, et vous d'agrandir ma fille. Faut coacher là. Rencontre de This Is featuring Damso. Je serai plus jamais en reste. J'ai This Is la best. Je serai plus jamais en reste. Je serai plus jamais en reste. Pour remettre ce prix, on ne le présente plus. Le photographe derrière les covers de tes albums préférés, le grand Fifou.
Bonsoir à tous. Quelle pression de voir autant de têtes que je connais. C'est comme une famille, donc les anciens que je vois, la nouvelle génération, gros big up, bref. Donc, je dois annoncer la flamme du featuring de l'année. Rencontre This is Damso. C'est la veille de la sortie de son album L'Amour que This is dévoile à travers un clip, un featuring avec le rappeur belge Damso. Après 20 ans de carrière, This is frappe plus fort que jamais. Pour son premier single de diamant, This is le répète assez, il ne sera plus jamais en Hess. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour ce prix. J'aime pas trop les cérémonies, mais j'avoue que je suis quand même content d'être là parce que ça fait longtemps qu'on essaie de faire des choses. Et ça marchait il y a 20 ans, ça remarche aujourd'hui. Et il y a autant de talents dans cette salle. Enfin, voilà, je suis quand même heureux. Merci. Et faites du bruit pour Damso, merci beaucoup. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Bonsoir déjà pour commencer. Et je tiens juste à dire que This Is est le premier artiste français que j'ai écouté de ma vie. Et avoir ça avec lui, c'est incroyable. Merci beaucoup. Pardon, j'aimerais juste... le morceau Rencontre, on l'a fait avec des compositeurs, c'est important de dire leur nom. Donc c'est Prinsley, Augustin, Lucas V. Et un succès, c'est toute une équipe derrière aussi. J'aimerais faire un gros big up à Richie, à Germain, à Jules, à Idriss, Yagous qui a fait le clip. Enfin voilà, merci, le succès est collectif. Merci beaucoup. Bravo messieurs, il est lourd le titre en plus. C'était la collab de l'année. Bon, maintenant il est temps de retrouver ma partenaire du soir, Fadili. Fadili, quoi de neuf? Écoute, on est là, on essaie de s'en sortir, hein, tu connais. Hein. Panam, quel début de cérémonie les gars. On vous avait dit que ça allait être un truc de dingue. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour la dernière performance Kershak, Ziyak qui ont fait une performance incroyable. Maintenant, moi, je demande juste, c'est juste une question, c'est est-ce que c'était vraiment eux sur scène? Non, parce que les gars, c'est vrai qu'ils sont toujours cagoulés, on ne sait même plus à force. Peut-être que là, Kershak, en vrai, il est en train de faire un petit showcase en boîte de nuit à Marbella, je demande, on ne sait pas. Non, mais en vrai, je les taquine parce que je les aime bien, mais c'est vrai que c'est important d'avoir son propre style, d'avoir une identité, et franchement, c'est pour ça que j'aime les mecs comme Jules. Parce que Jules, c'est un des plus gros vendeurs. Il remplit des stades. Bien sûr que ça s'applaudit, ma sœur, t'as raison. Il remplit des stades. Et pourtant, à chaque fois que tu le vois, on dirait qu'il sort d'un five. Le gars est fort. Mais c'est bien parce que, tu sais, il est authentique. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il soit pas là ce soir, Jules. Tu vois, moi, je trouve ça un peu dommage. J'ai pas la raison de son absence. Mais on m'a dit qu'apparemment, il a pas trouvé la tenue qu'il voulait. Tu vois, parce que les costumes du Bayern, ça existe pas. Donc, le gars est un peu dégoûté. Allez, faites du bruit pour lui. Plus sérieusement, cette cérémonie, elle est aussi là pour célébrer toutes les femmes dans l'industrie qui sont là depuis longtemps. Ouais. Et qu'on voit un peu plus aujourd'hui. Ça, c'est important. Je pense à Juliette Feuillévé, ma grande sœur, journaliste et activiste présente dans l'industrie ici et partout en Afrique depuis tellement d'années. Je pense à Kaina Samet. Ouais. Cette voix reconnaissable parmi des milliers. Je pense à Leïla Sy. Réalisatrice, scénographe, directrice artistique, la go est partout, mais t'as réalisé un nombre incroyable de clips qui ont marqué le rap français. T'es bientôt au cinéma, hein, avec le film Yo Mama, hein, qui retrace le parcours de maman qui se lance dans le rap. Encore merci à toi, grande sœur, pour tout ce que t'apportes.
Ça m'émeut un peu. Merci, merci pour tout ce que vous apportez. Merci à toutes ces femmes, qu'elles soient artistes, productrices, réalisatrices, chefs de projet, directrices de label. Ouais. Jeune mère de famille aujourd'hui devant vous avec un micro. Vous allez voir bientôt, on n'entendra plus derrière chaque grand homme se cache une femme. Non, non, non. On entendra derrière chaque grande femme se cache personne en fait. On est là et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et bien évidemment, c'est un moment que j'attends depuis longtemps. Qui de mieux pour confirmer tout ça ? Les gars, elle est venue faire trembler le Châtelet. C'est la première fois qu'elle performe en live. Et pour cette exclue, elle a choisi les flammes. Donc s'il vous plaît, faites-lui honneur. Les gars, on sort ce soir. Profitez. Faites du bruit. Allez, on y va, on y va. Faites pas les timides, on y va. Faites du bruit, s'il vous plaît. Pour la seule, l'unique, la bad bitch, la jolie garce, Shy. Lancement du projet Jolie Garce. Programme scène, en cours de chargeur. Erreur système, pour votre sécurité. Veuillez évacuer la salle. J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon blas sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le seum, j'ignore ces pétasses. Pas besoin d'un joke quand t'es chaud, les gars. J'suis dans la suite et pas n'importe laquelle. Présidentielle et non personne n'a ken. La jolie, 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 jolie go. J'connais le sevi qui souhaiterait donner le go. Un peu saoulé, j'suis dans l'audimat. Maman est fière, donc le reste m'en tape. Ils pensent à WAM, mais j'suis trop loin dans le top. Merci au steak qui fait gonfler l'audimat. J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon blas sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le seum, j'ignore ces pétasses. Pas besoin d'un jour quand t'es jolie gosse. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai charge, j'suis dans le viseur du ganté. J'suis dans le vendo. Tanto, tanto, do. On est les jolis, jolis, jolis go. Dis-moi qui pourrait me dompter. J'ai charge, j'suis dans le viseur du ganté. Trouve-moi dans le vendo. Tanto, tanto, do. On est les jolis, jolis, jolis go. Je peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Là, j'suis dans le doudou, j'aime bien, oui. Mais d'abord, envoie les doudous, t'aimerais que je sois ton doudou. J'ai pour habitude de consommer le love comme pétou. Je dis oui au cash, mes boys n'ont pas touche. Me dis si sauvage à caisse, j'suis pas loin de la tête. Quand tu dirais ça, j'te fais tourner la tête et t'as des vertiges. J'dois être sûr de toi comme j'suis sûr de la certitude. J'ai fait entre eux toute la semaine. Y'a mon place sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le seum, j'ignore ces pétales. Pas besoin d'un jour. J'arrive, 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 ouais. Arrive,
Tartan. Wow, 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 incroyable. Hey, c'était Shy. Hey, le show est dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle vient de lâcher en exclusivité son nouveau single. Et faites du bruit pour Shy, s'il vous plaît. C'est la première fois qu'elle performe sur scène. La prochaine flamme existe grâce à des artistes comme elle, qui ont ouvert la voie pour les autres. Pour la flamme de la révélation féminine de l'année, les nommés sont Mademoiselle Lou. Pardonne-moi, j'ai du mal à suivre si tu savais. J'ai pas su trouver les mots quand j'étais devant toi. Tu sais, dans ma tête, c'est le bordel. Faut avancer sans moi. Pardonne-moi, j'ai du mal à suivre si tu savais. J'ai pas su trouver les mots quand j'étais devant toi. Mais à TNN. Maureen. Ronisia. Et pour remettre ce prix, on a avec nous la brillante créatrice de contenu, Sally, accompagnée de Miss France 2014, fondatrice de l'association Kelina, Flora Coquerel. Bonsoir les flammes. Bonsoir à tous. Quel plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci pour cette invitation, on est honorés d'être là. Tout d'abord, je souhaite féliciter les femmes mises à l'honneur ce soir. Et chaque année, vous le savez, c'est de nombreuses femmes qui se lancent dans cette industrie de la musique qui cherchent à faire entendre leur créativité, leur talent et leur originalité. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous avons l'honneur de remettre le prix de la révélation féminine de l'année à... Are you ready? Ronisia. Propulsée par son hit Atterrissage, 2022 a été l'année où la jeune Ronisia s'est complètement révélée au public. Le 28 janvier, elle sort son projet simplement nommé Ronisia, qui s'écoule à plus de 7000 ventes en première semaine. Nino et Tiakola en featuring, une collaboration avec le Nigérian Sike en bonus sur la version deluxe. Ronisia sait ce qu'elle fait, elle ne peut qu'aller loin. Bonsoir, merci à tous, vraiment je suis hyper honorée de recevoir ce prix pour la première édition des Flammes, ma première récompense, donc vraiment ça fait hyper chaud au cœur. En 2022 j'ai sorti mon premier album et cette année je vais bosser encore plus pour avoir encore plus de récompenses et pour qu'on aille encore plus loin, mais merci à mes équipes, à Epic Records, Sony, à mon équipe qui me suit tous les jours, merci à mes amis, merci à mes parents, un soutien incroyable. Et merci à mon public parce que sans vous, il n'y a pas tout ça, donc merci, merci mille fois. On va remercier maintenant nos partenaires. On va commencer par Spotify, sans qui cette célébration n'aurait pas eu lieu. Google Pixel, Refix et tous les partenaires institutionnels qui soutiennent la musique au quotidien. Le CNM, la SACEM, l'ADAMI, la SCPP, la SPPF. Un grand merci à eux. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est clairement ces organismes qui accompagnent les artistes dans leurs projets. En gros, on va parler le français de Molière, c'est eux qui donnent l'oseille. Donc faites du bruit pour eux. Allez.
Franchement, continuez, vous faites du super boulot. Franchement, rajoutez même des lettres, hein, si vous voulez. Hein. Merci à la XVDA, RSTZ. Tant qu'il y a du fric, mettez de l'alphabet à foison. Applaudissez-les encore, vos mains, elles vont chauffer ce soir, je vous l'ai dit. Là, on ne vous voit pas applaudir, vous, là. Salut, Jean-Pascal Zadi. Faites du bruit pour Monsieur Zadi qui pète tout. Au cinéma, dans les séries. Je vais vous dire honnêtement, hein, entre nous, c'est vraiment une des premières personnes qui m'a fait croquer. Il m'a mis dans toutes ses séries, il m'a mis dans tous ses films. Là, dans pas longtemps, il y a un de ses films qui va sortir qui s'appelle Yo Mama. Mais pourquoi je ne suis pas dedans, mon gars? Pourquoi je ne suis pas dans le projet? Il faut nous expliquer. Non, on va te laisser t'expliquer parce que quand on est devant les gens, t'aimes bien me... Tu vas nous expliquer pourquoi? Non, parce que pour le film Yo Mama, on cherchait des bonnes actrices. C'était pas une question d'amitié, il y avait aussi le talent qui rentrait en jeu. Néanmoins, j'ai quand même de l'amitié pour toi et tu es bien habillée. Pour une fois. Parce que moi qui la connais bien, je vous dis les gars, le stylé de la Go Fadili, c'est pas toujours ça. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Oui, non, non. En tout cas, je trouve ça vraiment très courageux d'avoir donné cette présentation-là à Fadili. Parce qu'elle part de loin. Mais on l'adore quand même. Un maximum de bruit pour Fadilos! D'accord, ok. Ok, ok. En plus, vous êtes vraiment des enfoirés parce que je vois vous rigoler maintenant, mais c'est pas grave. Mais mettez-moi dans... Hey, y a tout... Mets-moi dans ton projet. Mets-moi dans ton prochain projet. Les gars, vous avez tous des projets ici. Mettez-nous dedans. Gazo, on se connaît pas encore. Mais toi aussi, pourquoi tu m'as pas mis dans ton projet, mon gars? On veut comprendre pourquoi. Pourquoi? Mettez-moi dans vos projets. Arrêtez de faire genre. Et je veux dire une chose aussi à toutes les marques qui nous regardent. Les gars, vous avez vu, depuis tout à l'heure, on va parler le français de Molière aussi. Je souffre. Mes talons, ils sont hauts. Commencez à m'inviter au Fashion Week, je vous le dis maintenant. Commencez à m'inviter au Fashion Week. Bon. Voilà. C'est dit, c'est dit. Maintenant, les gars, nous arrivons à un moment important de cette soirée. Parce que là, pour le prochain artiste qui va monter sur scène, je le kiffe de ouf. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Pour Wer Renoir! Les flammes! Vous allez bien? On n'est pas sur une main, je vais m'en faire sur moi, gros y'a trop de sauronia. Je te rêve, t'es mon rêve, je pourrais jouer pour toi, je veux le faire, on ira. Beaucoup je play et la pierre, ça guette l'auto et la paire. Les gens avec qui tu marches, faut que tu saches que c'est eux les pires. J'ai pas beaucoup d'attache, j'ai même pas besoin de frère, je suis un mec solitaire. On est très solidaire, on est comme les gitans, on est très solidaire. Je fais des erreurs donc je les paye. Je fais des sous-sols donc je les perds. Faut faire la guerre si je veux la paix. J'ai jamais la paix donc je les baisse. Je connais des sourds noirs, souvent avec toi. Et j'ai pas sur toi. On est pas pour toi, demande pas pourquoi. Comme on veille sous toi. J'ai fait différentes passes, différentes villes, j'ai fait différentes cœurs. J'ai fait beaucoup d'hôtels, passé des nids hôtels avec différentes meufs. Passer des nuits dehors, à noyer ma peine dans le bif. J'voulais diamant de l'or, l'or en met plein dans le pif. Pas très bavard, tu sais, ce que ça sous-entend. Ceux qui se taisent disent plus que ceux qui parlent tout le temps. J'connais des solitaires qui sont moins solitaires avec des caracouches. Tu dis que les murs ont des oreilles, mais t'as les oreilles partout. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Là, j'en rends méfiance tout le monde. J'ai pas beaucoup d'attache, j'ai même pas besoin de frère, je suis un mec solitaire. On est très solidaire, on est comme les gitans, on est très solidaire. J'fais des erreurs donc je les paye. J'fais des sous-sols donc je les perds. Faut faire la guerre si tu veux la paix. J'ai jamais la paix donc je les baisse. Le monde est méchant, l'humain est mauvais. L'argent en méfiance, contre le mot. Contre le mot. Contre le mot. C'est carré.
Merci Wey Renoir pour cette grosse performance. Et c'est pas une surprise si on le retrouve dans la catégorie suivante. Pour la flamme de la révélation masculine de l'année, les nommés sont Kershak. Je suis un petit homme comme Tarzan. Je te connais pas, je monte carreau. Ils ont pété Enrico, faut trouver un petit peu pour Targe. Ils ont pété Enrico, faut trouver un petit peu pour Targe. Pas le choix, on la joue à Annie. Sur la lune. Ouais Renoir. J'ai pas beaucoup d'attache, j'ai même pas besoin de frère, je suis un mec solitaire. On est très solitaire, on est comme les gitans, on est très solitaire. Je fais des erreurs donc je les paye. Je fais des sous-sols donc je les perds. Faut faire la guerre si tu veux la paix. J'ai jamais la paix donc je les baisse. Je connais des surnoms souvent avec toi et qui parlent sur toi. Pour remettre ce prix, la personne qui sait de quoi elle parle quand il s'agit de révélation, j'accueille le meilleur imitateur de rappeur qui vient de percer. Il est trop marrant ce gars. Faites du bruit pour Nassouf. Bonsoir les flammes, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être parmi vous dans ce théâtre du Châtelet plein à craquer. Et c'est un immense honneur aujourd'hui de vous annoncer tout simplement la révélation masculine de l'année. Chaque année, on découvrira de nouvelles pépites et ce soir... Aïe, 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 un peu compliqué. Ce soir, la flamme de la révélation masculine de l'année revient à Wey Renoir. Après avoir commencé à se faire un nom en 2021, notamment avec une collaboration sur l'album de Latrim, Wey Renoir confirme l'espoir que beaucoup portent en lui avec son projet Telegram sorti en octobre 2022. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est carré la ligue, on est ensemble, merci à vous. Et ça continue, nouvel album bientôt, c'est carré. On va suivre ce qui se passe, on va suivre Nassouf et Wey Renoir, parce que les flammes c'est aussi ça, on vous emmène dans les coulisses du game, regardez ce qui se passe, regardez tout ce matériel, regardez tous ces gens, on s'est plié en quatre pour vous faire plaisir, c'est une grande cérémonie, Nassouf a un nœud papillon, qu'est-ce que vous croyez, il est là, il est frais, hein, Wey Renoir gagnant avec sa flamme dans la main, et ils vont directement vers le live Twitch, et là... Pour le live Twitch, il y aura Grim, il y aura Maxime Biaggi, il y aura Nico Colombien et mon gars Théodore. Les gars, quoi de neuf là-bas? On me connaît. C'est nous. C'est nous, incroyable. Salut les flammes. Salut les flammes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Effectivement, on suit la cérémonie aussi en direct sur Twitch. Incroyable. Incroyable. Ouais, bonsoir les flammes, bonsoir les flammes, j'espère que vous kiffez. En tout cas, nous, on passe un excellent moment là, dans le parking du Théâtre du Châtelet. On est bien derrière dans le Théâtre du Châtelet, mais on est dans le théâtre. Et très très fier de voir que cette première cérémonie se passe très bien, donc on continue de se régaler. Let's go. Que des bonnes personnes, des belles récompenses et des belles performances. Et ouais, on est trop contents d'être là. Là, en fait, il y a Théodore qui est censé être avec nous. Ah, Théodore doit arriver là ? Ouais. Mais où est-il ? Attends, mais du coup, c'est à nous là? Juste, est-ce que là on est en direct derrière là? Je comprends pas. On entend notre voix en écho, non? Il devait y avoir Théodore, apparemment. Bon, bah, Théodore, en fait, ouais. Là, les amis, ne faites jamais confiance à Théodore en fait. Mais tu sens que Théodore est en retard le jour de sa mort. Théodore est toujours en retard. C'est ça le problème. En retard. Les amis, Théodore devait être avec nous. Il ne l'est peut-être pas. Mais il devait annoncer une nouvelle catégorie ou présenter un artiste. Est-ce que vous voulez que je le fasse à sa place? Mais il faut me dire c'est quoi. Il est là. Théodore est là. Ouais. Frère, qu'est-ce que tu fais? Frère, en direct. Ça va les frères, tranquille. En direct. Non, mais... À la télé, partout, tout le monde t'attend. Frérot, c'est la première édition des flammes. On passe à la télé. Il y avait Wey Renoir. J'étais là, j'étais chanté et tout. Frérot, tu nous mets dans un four de ouf là. La famille.
On lance tout de suite la performance de Ronisia. C'est carré? Ah bah quand même, merci. Quand même. Quand même. La honte. J'ai mis dans un bon... Frérot, on s'affichait là. Non, tranquille. Vous êtes bon, je sais, vous êtes bon. T'as pas regardé, frérot. Si, j'ai regardé. Il était en train de kiffer avec toi. T'étais dans la salle, t'étais posé, tu écoutais les perfs, frérot. C'est parfait pour la perf de Ronisia. Mais oui, ça part sur Ronisia. Bah, on lance Ronisia directement. Allez, la performance de Ronisia avec nous. Et bravo. La prochaine flamme, elle est très spéciale. La flamme éternelle. Vas-y Fadili, mets-toi sur la... Oui les gars, je vous ai dit, Fashion Week.
Comme Driver nous l'a dit, c'est un moment très spécial de cette cérémonie. Effectivement, la flamme qui arrive en est l'essence même. On va corriger un peu l'histoire ce soir, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et oui, si nous sommes tous là, c'est pour célébrer la musique populaire. Et on le doit en grande partie à de grands artistes qui ont ouvert la voie. Des artistes qui ont fait plus que marquer leur génération. Des rois et des reines sans couronne. Qui ont marqué la culture, tout simplement, qui ont contribué par leur travail et par leur personnalité à faire rayonner leur art. Des artistes qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie. Certains sont là parmi nous ce soir. Merci à vous de nous honorer par votre présence à cette cérémonie. Merci beaucoup. Alors, place à la prochaine flamme. C'est la flamme éternelle. Et pour remettre cette flamme, un artiste qui marque déjà notre génération tant son travail est remarquable. J'appelle avec moi sur scène Mongaté SCH. Bonsoir, bonsoir les champions, j'espère que vous allez bien, déjà. C'est incroyable quand même cette soirée, ça faisait longtemps qu'on s'en plaignait et qu'on attendait. Donc faisons déjà du bruit pour cette cérémonie, s'il vous plaît. Il était temps. Alors, bon, les flammes vont récompenser ce soir une figure emblématique marseillaise qui laisse encore son héritage indélébile dans ce mouvement qu'on aime tous. Et je les remercie d'avoir pris cette décision et je suis clairement un privilégié, moi, ce soir, de pouvoir la lui remettre en personne. Alors, merci les flammes pour m'offrir ce privilège. Cette flamme éternelle que je vais remettre ce soir revient à une légende qui a inspiré des artistes qui brille aujourd'hui de par son aura, sa simplicité, son art, sa personne et tout ce qu'il représente et représentera à toujours et à jamais dans nos cœurs. Je suis ce mode de vie depuis que j'ai commencé à écrire et sans doute même avant et je sers ce mode de vie dans mes faits et gestes, mode de vie béton style enfoiré. J'appelle Monsieur Laura Luciano pour cette flamme éternelle. C'est vraiment pas assez de bruit pour Laura Luciano. Il représente tout ce qui est l'humilité et l'authenticité, cette simplicité, cette rage un peu de vivre que Marseille avait à l'époque. C'est le panier, le 13002, il a mis la lumière quand même sur le secteur et la zone. Icône du rap français, légende du rap marseillais, le rappeur préféré de nos rappeurs préférés. Il y a plein d'artistes qui se sont inspirés de lui et qui le reconnaissent encore aujourd'hui. Marseille, y a rien, pourtant elle est grande. Des 90, je suis contrebande. Façon Luciano dans la légende. Non. En France, chaque jeune se défonce, défonce. Qu'il a Marie Curie Charles. Chaque Français sur ce poursuit. Foudé, remue les liens, François, tous foudés. Pour aller loin, je pense qu'on reste ce qu'on est. Veille à ce qu'on aime, se battre pour ce qu'on a donné. Sans prendre, amener la monnaie, faire sourire maman. Aïe, merde, il a l'air à terre. Il prend pour le pater, fausse patek au poignet. Tout va tellement vite, tellement de visqueur, tellement vite. Le monde est injuste, moi je veux juste tellement vivre. Salut à ce qui parle sur de la musique, ce qui décrit joie, angoisse, scène et amour. Sans méthode précise et sans être alléché par la pas du gain. Mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue. Dédié aux gens durs et à tous ceux que t'as rue. Le thème c'est art de rue. Dédié à ce qui pratique et ce qui aime ce putain d'art de rue. Amis du soir, bonsoir. J'ai qu'un mot à dire, incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais faire court, hein. C'est chaud.
Avant tout, je veux remercier le Seigneur, ma famille qui a toujours été là, ma mère, mon pauvre père, ma femme, toute ma vie, mes enfants, Kenzo, Pablo, sans prétention aucune, mes fans de la première heure, ceux qui m'ont toujours soutenu, comme la corde soutient le pendu. C'est chaud, hein? Franchement, c'est chaud, hein? Je voudrais remercier mon quartier, ma ville. Sans eux, je ne serais qu'un rat des villes. Hein? Et les membres du jury qui ont voté, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Hein? Merci encore. Le Rat Luciano, une vraie légende. Faites encore du bruit pour le Rat Luciano, s'il vous plaît. Ok, ok. On enchaîne sans plus attendre avec du show, du bon son comme on l'aime ici. Il va faire suer les murs du Châtelet, comme il fait suer toutes les salles de concert par lesquelles il est passé. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour mon gars Kalash. Je ride for my nigga, que t'as for my nigga du haut au placard. Et la police n'est pas comme à Paname. Ici la popo, pas des Batman. Et la cocaïne avant et un caraïbe dans la soupe. Parmi les bagages. Madame, c'est pour moi. Madame de la maison. Suis. Ici. Si j'aime dans la bouche, yeah, 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 yeah.
que tu amènes. Le succès m'a donné des ailes. La même salope qui me tourne dans le domaine. Fondé dans l'appareil, bien riche. On m'a pas foutu dans la feu bouche. Dans la maison, Wada West Indian with the best, Caribbean with the best. C'est jaloux, là c'est mon espoir. Les petits colons nous battent pas pour des tocs. C'est l'hectare qui vient à mon drop, 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 drop. C'est l'hectare qui vient à mon drop, 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 drop. Hey, 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 my yard back shot. On roule l'escargot, t'es tic, 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 tic. Oh, c'est pas grave, nous y'a du oubli, vi, vi, bo. Hey, hey, j'en ai pas de l'époque, vi, vi. Incroyable, incroyable ce show de qualité, de calage. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte,
mais il y avait le King Daddy Hot parmi nous. Du bruit pour cette légende, s'il vous plaît. Ok, 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 ok. Et c'est pas fini. Je vous dis tout de suite, il y a des grandes choses qui vont encore se passer. Alors, mettez-vous bien parce qu'il y aura Meryl. Les West Indies sont dans la place. Yeah, c'est clean. Il y aura là des kings du R&B. L'homme que l'on nomme le chinois chaud, Monsieur Nob. Il y aura de la rumba, Bana Kim, Bana Braza. L'homme que l'on nomme Fali. Les chiffres, la planque et les chiffres. Il y aura du pur hip-hop. L'homme que l'on nomme Prince Wally, c'est clean. Tous les jours fausse la bac et les flics. Quand les chiffres nous manquent, ça devient électrique. J'avais les pieds dans les mers. Et il y aura un gars qui est très très chaud en ce moment. L'homme que l'on nomme SDM. Ça va ou quoi les flammes? Le bonheur dans les choses simples. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Un peu innocent, un peu coupable, chaque contrôle de police me rapproche de mon fuite avec Tupac. Dans mes rêves, y'a des démons et des crop circles. C'est sûr que je ferai rien, je resterai de marbre comme les cercueils. J'aimerais dire que je suis à toi, que je t'aime et tout sera Rajdil. Mais toute l'Afrique, c'est qu'aucun homme n'est fidèle toute la vie. Je deviens fou, je vois des gens heureux partout. Soit l'amour, c'est pas pour moi, soit je suis pas fait pour l'amour. Je viens d'un continent et d'un pays qui saigne. Quand la violence résout pas les problèmes, c'est la sorcellerie qu'il fait. On est la moyenne de nos srabs, on attire ce qui nous est commun. Si t'es entouré de fils de pute, c'est que toi aussi t'en es un. Avant je voulais changer, maintenant j'accepte ce que je suis. Je veux des tableaux pour tuer le temps, comme si j'étais Salvador Dali. Je me suis perdu moi-même, c'est incontestable. Je suis Camerounais, un nom de famille du bled et un prénom d'esclave. J'ai le mal des souvenirs, le mal des pensées. Je pense à toutes ces fautes, tout cet argent mal dépensé. Avant je croyais que je priais, puis j'ai grandi. J'ai compris que tout ce que je fais c'est réciter des phrases que j'ai apprises par cœur. Mon style est bipolaire, mon stylo bipleur. Je lâche de la raison, j'ai envie de respect, j'ai plus envie de plaire. À notre âge, le trajet est encore long et je manque comme un keuf. Quand je dis que je me sens outrage, et c'est trash. Même un cœur cassé peut donner l'amour, comme une horloge cassée donne la bonne heure. Deux fois par jour, je suis tombé du camion ou du navire. On se facilite la mort quand on se complique la vie. Mais le bonheur est dans les choses simples, le moral est dans les chaussettes. Je ferme les yeux et j'observe avec mes oreilles. J'ai besoin de me confier, mais pour l'admettre, je suis bien trop fier. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps on court? Depuis combien de temps on fuit? La tête dans les nuages, je vois les étoiles m'apaiser sur le toit de l'immeuble. Toi et moi coincés dans une toile d'araignée. On fait ce que les grandes personnes font quand elles sont toutes nues, oubliant que la plupart des enfants ne sont pas volés. Peut-être qu'il aura, peut-être qu'il aura. Qu'il aura ta tête, qu'il aura mon nez, mais on le saura jamais, parce qu'on va le renvoyer au ciel. Une navigue sans visa, c'est ironique, mais rien de familial, planning familial. Si peu de vérité, tellement de mensonges. Là je suis chouette parce que j'ai peur que Dieu m'entende. Je parle plus de Dieu que je parle à Dieu. Je suis venu tout seul, mais on repart à deux. Je suis tellement rancunier, je suis tellement rancunier. J'ai pardonné ceux qui m'ont fait du mal, quand j'ai vu que ceux à qui j'ai fait du mal me pardonnaient. Je pars au bon char, sur mon char, je pleure du chardonnay. Arrête ton char. J'ai peur du jugement dernier, mais je vis ma vie, mais on parle plus jamais. Comme si j'étais encore le dinos d'Imani. Des corps inanimés, l'humain n'a pas d'humanité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Les narines épatées. Je fais peur à la sevrant, pourtant je suis le gentil du quartier. Laisser la porte ouverte, c'est encore pire que de la claquer. Et le bonheur est dans les choses simples. Le bonheur est dans les choses simples. Tous les jours je pêche et je m'enfonce vers le bas. Je crois en Dieu, mais je sais pas si lui croit encore en moi. Je dis lui, mais si ça se trouve, c'est une femme. Si ça se trouve, c'est une vague. Si ça se trouve, c'est une âme. Tant de choses à dire, mais je sais pas à qui les dire. Parfois j'aimerais partir, mais c'est interdit de fuir. Je me demande qui c'est qui fait les lois. Je me rappelle, c'est ceux qui les respectent pas. Et je me rappelle des commotions, comme moyen de locomotion. Puis je vieillis, puis j'ai du mal à contrôler mes émotions. La vie me fait peur comme un désert qui gueule.
comme un DZ qui gueule. On me donnait beaucoup moins, mais on me promettait plus. Donc je suis revenu pour cracher le feu comme si j'étais Prométhée. Je pense à ce qu'on était quand je regarde les étoiles. Le bonheur ne vient pas à toi, le bonheur vient de toi. Ralentis un peu, tu roules beaucoup trop vite. Je me rappelle de quand je priais pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Chose simple, le bonheur est dans les choses simples. Pourquoi je me perds, pourquoi je m'enfonce? Que font les petits esprits quand les grands se rencontrent? Chose simple, le bonheur est dans les choses simples. Tout se terminerait mal, j'arrête de prier. Car si Dieu me donnait ce que je voulais, je m'en servirais mal. Chose simple, je vous aime Paris, amen. C'est ça, de l'unité, c'est tout ce qu'on veut voir. Merci pour cette performance pleine d'émotions, Dinos. C'est sans surprise que l'on retrouve nommé dans la prochaine catégorie. Pour la flamme du morceau de performance rap de l'année, les nommés sont I am dans la playlist. L'univers ne nous voit pas danser de Dinos featuring Akhenaton. L'impression que j'ai des trop ventes, quand j'ai pas de problème, faut que j'en trouve un. Je m'appelle Jamel. Jamel de Dossé. Personnage du film Rike, je crois. Français, d'origine des Z. Je viens de la cité des Tilleuls à Blancoc 9-3. Car trop peu me comprennent. Intro de Josman. Mon cœur saigne, maman. Je sais que je peux pas faire maintenant. Dans les pires moments, je le faire, maman. Parce que le rap, c'est comme un sport où chaque punch doit résonner dans les têtes. Veuillez accueillir le champion de boxe, Souleymane Sissoko, accompagné d'un champion du cinéma, JP Zadi. Un, deux, ouais, moi c'est freestyle direct, y'a pas nanani. Bon. On est très très content avec mon gars sûr Souleymane de remettre ce prix, mais on a quand même des trucs à dire. Je trouve que vous ne faites pas assez de bruit pour le meilleur acteur français en France aujourd'hui. Faites du bruit pour moi! Omar Sy n'est pas là, donc on peut le dire. Juste avant de remettre ce prix-là, j'ai envie de dire que les Damso, tout ça là, aujourd'hui, ils sont là parce que nous, on n'a pas poussé le rap. Si on avait poussé un peu là, on serait là. Oh oh, ne m'énervez pas, sinon je vais enchaîner un truc ici. J'ai qu'à enchaîner, ok. Un, digidi-wak, digidi-wak. Un, deux, Oji, ha. Non, calmez, 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 calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, ah. Alors, on va donner le prix de la meilleure performance rap. Donc, je vais ouvrir. Et on va commencer par dire ceux qui l'ont pas. Ceux qui peuvent rentrer, quoi. Bon. Jamel. On t'aime bien, Jamel, hein, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 dégringolade. Allez, vas-y, dis, Souleymane. Dossé Jamel. 13 novembre 2015, ma vie a basculé. La vérité, c'est Dossé raconte l'histoire vraie de Jamel, un de ses amis survivants des attentats du 13 novembre. Il y dévoile un rap avec une plume et une interprétation sans faute. Le son présent sur son album, Trop tôt pour mourir, s'accompagne de quelques notes de piano pour laisser le rappeur nous marteler dans le crâne un texte qui fait date. Dossé, applaudissez-le bien fort. Merci. Bonsoir Paris, bonsoir à toutes et à tous. Bah, merci à toute mon équipe spectaculaire pour tout le travail accompli et pour toute la confiance. Merci de me soutenir, dans le bon comme dans le mauvais. Merci à l'organisation des Flammes pour avoir réalisé ce qu'on attendait depuis si longtemps. Enfin, notre cérémonie, notre célébration à nous, pour nous, par nous,
Et enfin, merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi, pour Jamel. Gros big up à mon frérot Jamel qui est pas là ce soir. Je t'embrasse mon frérot. Et j'espère que vous passez une bonne soirée. Merci à vous tous. Bon, je vous fais un petit concert là. Non, je blague. Allez, bonne soirée! Non, mais hey, Driver, t'es bien là en vrai. Hein. Ah, t'as vu ça? C'est gâteau, frais, ici, hein. Compote. Et puis, c'est pas du pouce en plus. Non, ça, c'est très climatisation. Mm-hmm. Vas-y, viens, on échange. Descends un peu en bas. Viens, on fait un petit. Pourquoi faire? Chez toi, y'a rien à manger, y'a rien à boire là-bas. Moi, je suis bien ici. Non, mais hey, et t'as une voix, Driver. Les gens, ils t'ont dit ou pas? Non, merci, c'est gentil. T'as une voix de genre de crooner, on dirait. Mais j'ai pas fait ça. Sentiment maternel ou. Ah, vas-y, fais-moi un petit changement de voix vite fait là. Ah, t'inquiète. Vite fait, histoire de. Je contrôle, je suis un G-son. Attends. Oh non, non. On retrouve dans la catégorie Baba. Vas-y, je fais la prochaine annonce. Vas-y. Ok. Je t'avais dit, je suis trop sauvage. Oh là là, t'as les petites vibes. La prochaine flamme récompense des artistes qui ont su s'affranchir des codes classiques pour ouvrir des nouvelles voies. Je vous laisse découvrir les nommés pour la flamme de l'album Nouvelle Pop de l'année. Outil. Et bien évidemment, pour remettre cette distinction, qui de mieux que Christ and the Queen? Bonsoir, chers camarades, ravi d'être ici, très heureux, merci beaucoup. Rock and roll, le rap. Le rap est fort d'être libre, libre comme le fou de poésie est libre. Il prend du monde ce qui l'excite, et donc pop le rap. Devenu indispensable par sa capacité à inventer le futur en mélangeant les genres, tous au nom du flex. Flex la nouvelle pop, on l'espère, puisque tous ces termes maintenant s'entrechoquent, et c'est tant mieux. Se nourrissant les uns des autres, la liberté en bandoulière, toujours pour l'artiste qui cherche le flex ultime de son style, sa vision, son futur. 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 Futur, la nouvelle pop. On espère qu'elle va brûler comme une flamme. Il faut utiliser la force des métaphores. L'imagination n'a aucune limite, mon frère. Nous remercions donc tous les fous de poésie pour réinventer par leurs gestes si particuliers et à chaque fois... ce que tous ces grands mots veulent dire, rock, pop, rap, mais surtout, qui parle et pourquoi? J'adresse à tous les nommés de cette catégorie mes amitiés révolutionnaires et voici les nommés pour la catégorie Nouvelle Pop Brûle. L'amour de DC's. Je serai plus jamais en reste, non. Je serai plus jamais en reste, non. Je suis DC's la best. Multitude de Stromae. Mélo de Tiakola. Ok. Mélo de Tiakola. Après avoir fait ses armes au sein du groupe Katkeus, le très attendu Tiakola a révélé son premier album solo en 2022. Mélo, œuvre qui touche le grand public et qui transcende les frontières des genres musicaux, est double disque de platine et affirme Tiakola à seulement 23 ans comme le visage de la nouvelle pop. Bonsoir, bonsoir. Ça va ou quoi? Ça vous allez bien? Merci beaucoup pour cette récompense. Bon, je suis pas bon pour...
Merci beaucoup pour cette récompense. J'ai pas de discours à faire. En tout cas, je vous remercie. Je remercie mes supporters. J'ai donné le meilleur de moi-même pour cet album. C'était mon premier album. Et je remercie les beatmakers, ceux qui ont travaillé avec moi, mon label Wachibé, ma famille, mon producteur Dawala. Et je vais faire un gros big up à mon groupe 4 queues. C'est avec eux que j'ai commencé. Et c'est comme si j'ai gagné avec eux, franchement. 4 queues gang avec qui j'ai commencé. Je les remercie beaucoup parce que j'ai commencé avec eux, ça m'a fait plaisir. Et voilà, j'ai eu de bons retours. Et voilà, merci beaucoup, j'ai rien à dire. Merci! Franchement, c'est carrément mérité. Bravo, Tiakola, bravo, bravo. La mélo! Mais Driver, je t'avais dit que j'allais pas partir d'ici, là, tu crois que je vais aller où? Ah, c'est cool, t'es la bienvenue, hein. T'es bienvenue chez moi. Moi, je te préviens. Ça fait combien de temps que t'es dans le milieu, toi, maintenant? Ça fait longtemps. Ouais, ça date, hein, une trentaine d'années, hein, un truc comme ça. Trentaine d'années? Ouais. J'en ai vu des choses, hein. J'ai vu passer des gens, moi. Ah ouais? Raconte-nous une anecdote un peu comme tu fais dans tes vidéos, parce que t'es un peu notre père Castor à nous. Raconte un petit truc. Une anecdote? Bon, vu qu'on est dans une cérémonie, je pense à une anecdote dans une autre cérémonie, il y a longtemps, hein. J'étais dans le public, il y avait Doc Gineco qui avait fait une performance avec MC Janik, Né Ici Remix, c'était chaud. Il y avait même Tribal Jam qui avait fait une super performance, un morceau qui s'appelle Quand tu souris. Et il y avait cet artiste de variété française, tu vois, qui a été nominé genre au moins 12 fois. Et il n'a rien gagné. Il est reparti plus hardcore qu'un rappeur. Il était énervé comme ça. Sourcils froncés et tout. C'était chaud. J'avoue, je le regardais. Je disais, ah ouais, c'est dur ça. T'es nominé, tu gagnes rien. Au moins 12 fois comme ça, t'as rien gagné. Et c'était qui? Non, je peux pas dire le nom. T'as dit. On sait jamais, une clash derrière, c'est relou. Bon, un indice, ça commence par un O, ça termine par un O. Je pense que vous avez compris qui c'était. Bon, comme tu vas pas dire c'est qui, on va enchaîner. Non, voilà. T'es sûr que tu vas dire? Non, je sais. Alors, pour les prochaines flammes, elle nous rappelle qu'au-delà de la musique, il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Des réalisateurs de clips, des stratèges, des labels, des photographes. C'est eux qu'on va récompenser maintenant. L'idée pour le retour, c'était de revenir un peu en mode quand les super-héros ils reviennent après une longue retraite. Les artistes, depuis quelques années, cherchent des solutions, se challengent un peu pour trouver des trucs un peu uniques. C'est une manière aussi de montrer aux gens qui nous écoutent qu'ils participent un peu à la nouvelle aventure. On leur doit une partie de notre carrière, donc on trouvait ça cool de leur rendre hommage aussi comme ça. Rime jamais en panne. Nouvelle star, ancien fan. Écrire dans une cave. Le chanter dans un stade. Je me donne pour mon art, j'y mets toute mon âme. Alors faites qu'on ne perde jamais la flamme. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Moi, c'est Omar Samake, producteur dans l'industrie du disque depuis quasi 20 ans. Spectaculaire, c'est un label indépendant. Moi, je suis vraiment sur les artistes en développement. Et l'idée, c'est justement de construire une carrière et les emmener le plus loin possible. On a un label familial et je pense que ça facilite pas mal aussi le développement quand ça se fait dans une bonne ambiance. Et voilà, je voulais remercier déjà tous les artistes avec qui j'ai pu collaborer, tous les gens avec qui on bosse à l'année, ceux qui sont là encore aujourd'hui, ceux qui étaient là hier, tous les gens qui ont fait en sorte qu'on soit élu, on va dire, meilleur label indépendant de l'année. Alors Epic, donc c'est une marque de Sony Music, c'est un label donc constitué de toute une équipe dédiée à un catalogue d'artistes qui sont travaillés après par toute l'équipe Sony Music dans toutes les unités transverses de la maison. C'est un grand honneur pour nous de recevoir la flamme du label de l'année. Je remercie d'abord nos artistes qui sont de forts travailleurs et qui nous ont offert de grands succès cette année. Je remercie tous les gens qui travaillent avec nous au quotidien. Je remercie aussi toute l'équipe de Sony Music. Vive Epic Gang! Salut, je m'appelle Dorian Ferraud, je suis photographe et du coup j'ai fait la photo de la cover de la semaine. Marius Gonzalez, photographe, réalisateur et graphiste. Pour cette pochette, j'étais plus centré graphisme. La photo, c'est moi qui l'ai prise. Et moi, je suis venu rajouter des détails de texture et on s'est concentré uniquement là-dessus. Merci à toute l'équipe, Marius, Jossman qui ont fait confiance pour ce travail. Je tiens à remercier ma famille, mon entourage qui m'ont soutenu dans mon projet. Et remercier aussi les Flammes d'avoir voté pour nous, parce que ça fait extrêmement plaisir. Je m'appelle Marius Gonzalez, je suis réalisateur, photographe et graphiste. Il s'avère qu'on vient de la même ville et qu'on était au lycée ensemble. J'étais en seconde, il était en terminale, et on a continué jusqu'à présent.
Je vais remercier Joss pour la confiance accordée et pour m'avoir permis de travailler sur un morceau aussi inspirant. Le label Sideline, Clémence et Mathieu, toute l'équipe technique, merci à tous. Je suis très heureux de pouvoir être lauréat de cette première édition des Flammes en espérant que ce soit la première d'une longue lignée. Les Flammes, pour vous ce soir, l'une des artistes les plus complètes du game. Faites du bruit pour Meryl. Les vrais amateurs de musique le savent, peu importe où tu te trouves dans le monde, la musique vient toujours d'ailleurs, tout simplement parce que la musique voyage avec les hommes avec un grand H. Et comme nous, les musiques se rencontrent et se mélangent. Et c'est grâce à ça qu'on a la chance aujourd'hui
d'avoir une richesse culturelle si forte. Je pense à la variété française qui se mélange au zouk. Je pense au compas, je pense au funana, je pense au coupé décalé. Et j'en passe, c'est toutes ces sonorités qu'on a entendues depuis l'enfance. Je repense à ma mère qui écoutait Africando, les maîtres de la salsa sénégalaise comme elle le disait. Alors comment pourrait-on célébrer les cultures populaires sans mettre en avant toutes ces influences? Cette cérémonie, c'est aussi la leur. T'as tout dit Fadili, t'as tout compris. C'est donc avec plaisir que voici venu le moment de... Pour la flamme du morceau caraïbéen ou d'inspiration caraïbéenne de l'année, les nommés sont... Degen, Daya Nakamura featuring Damso. Laptop de Kalash featuring Maureen. Mise à mort de Lala Ace featuring Maureen. Pour remettre cette flamme, on accueille celui qui a mis en image vos sons préférés, l'illustre réalisateur Chris Macari et la non moins talentueuse chanteuse Lila. Salut les flammes, ça se passe? Est-ce que vous allez bien? Vous passez une bonne soirée, j'espère. Ok, très bien. Chris, j'aimerais mettre en lumière la musique caribéenne parce qu'elle est riche. Elle est vraiment riche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la musique caribéenne, c'est le zouk, le compas, le ragamuffin, la dancehall, un peu de tout ça. Et donc merci à tous ces artistes qui partagent ce style de musique avec nous. Voilà. Et en tant qu'afro-descendant et caribéen d'origine, je suis super honoré, nous sommes super honorés de décerner ce prix, donc merci beaucoup. Et voilà. Donc, on va savoir qui est le grand gagnant. Vas-y. Excusez-moi. Kalash Fitzgibbon Mori, laptop. Bonsoir tout le monde, ça va? Bon, déjà, je remercie le Très-Haut de me donner la force tous les jours. Mon bouclier sur terre avant Dieu, ma femme. Et je voulais saluer tous les artistes qui ont travaillé pour le reggae dancehall, la musique caribéenne, le zouk, plus récemment le chata, tous les beatmakers, tous les producteurs, tous les fans, tous ceux qui supportent, les médias qui osent partager cette musique. Donc je salue tous ceux qui sont là depuis long time, comme Daddy Yod. Faites des bruits pour Daddy Yod, s'il vous plaît. Benji, Jackie, Passy, Zorasav, Solid, toute la famille qui est là, Zorasav. Et merci à ceux qui ont voté pour nous et gros bisous à Maureen qui n'est pas là ce soir mais qui a sublimé le morceau. Big up à Digital qui a fait la prod et à Lil G qui a fait les arrangements avec Chaz. Tu veux dire un truc ou quoi? Tu veux dire un truc? Bon, désolé, Maureen aurait adoré être là. Elle est fière, je parle pour elle, elle est fière de pouvoir représenter la Martinique, les Antilles, le Chata. Merci à Kalash. Merci à toi. Merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné la chance. Merci à tous ceux qui ont ouvert la voie. Et merci pour le prix. Merci, je vous bénisse. Amen. Bravo et merci à Kalash. On continue cette cérémonie en douceur. On a de la chance de l'avoir avec nous, vous ne vous rendez pas compte.
Ce soir, il est avec nous. On va passer un moment en sa compagnie. Sa carrière est aussi monstrueuse que son talent. Profitons, on est chanceux. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Monsieur Nov. En amour, rien n'est acquis. Pour toi, je tromperais ma radie. Tu me déshabilles du regard et prends ma vie. Qu'est-ce que t'as mis dans mon verre? J'ai les idées plus très claires. J'ai le cerveau à l'envers. Et ça commence à me plaire. Dis-moi ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Oh baby. Ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Dis-moi ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Dis-moi ce que tu m'as fait. Tu veux savoir ce qui m'arrive? Je lâche ma wife pour être ton mari. Vas-y, prends Paris. Dis les termes et pas Carrie. Qu'est-ce que t'as mis dans mon verre? J'ai les idées plus très claires. Je vais aller en enfer. Et ça commence à me plaire. Dis-moi ce que tu m'as fait. Mais je reviens à chaque fois vers toi. Mon sort est scellé, ensemble. Dis-moi ce que tu m'as fait. Ce que tu m'as fait, oh, dis-moi ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait, oh. Monsieur Nov, applaudissements s'il vous plaît, applaudissements. La prochaine flamme, on reste dans la douceur, on reste dans cette vibe. Pour la flamme du morceau R&B de l'année. Les nommés sont À ta santé de Tiakola featuring Hamza. Comme moi de Ronisia featuring Tiakola. Pornstar Martini de Made in Paris featuring Luigi. Pour remettre cette récompense, elles nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. La chanteuse à la voix d'or, Kaina Samet, et la sublime, le sublime mannequin Didi Stone. Du monde ce soir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir avec Didi Stone, qui est magnifique d'ailleurs ce soir.
on a la chance de remettre la flamme du morceau R&B de l'année. Le suspense est à son paroxysme. Et à ta santé, Tiakola et Amina. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Le grand retour du R&B sur le devant de la scène. Sur son album Mello, Tiakola s'offre une collaboration avec Hamza. Sur une prod de Ponko, les deux artistes nous proposent le titre de Lover qui manquait à nos vies et dévoilent leur face romantique. Ils se battent pour dire un mot. Vas-y, venez, venez. Rebonsoir. Là, c'est pour remercier Hamza. Je remercie Hamza parce que tous les jours au studio, lui me choque. Quand on a fait le son à ta santé, j'ai paniqué. Franchement, ce mec-là au studio, tout le monde sait, c'est un génie, c'est un crack. Et franchement, c'est lui avec Ponko, Prince Lee. On n'a pris que du plaisir à faire ce son. Et c'est lui qui m'a mis dans le R&B. Franchement, il me fait kiffer. Tous les jours, il me fait kiffer. Et je le remercie. Non, franchement, merci à tous. Je suis très honoré d'être là avec vous ce soir. Je suis très content de gagner ce prix. Et voilà. Je voulais faire un gros big up à toute la Belgique. BX, on est ensemble. Et voilà. Merci, merci à tous. Merci. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Voilà, c'est un chien heureux. Voilà. On les félicite, ils méritent ce prix. Pour la flamme suivante, et pas des moindres, ils sont beaucoup à l'avoir convoité. Pour la flamme du morceau afro ou d'inspiration afro de l'année, les nommés sont Redescend de SDM featuring Tiakola. Sosa de Tiakola. Tiki Taka de Vakra. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour y charler, pio-pio. Pour remettre cette flamme, si ces deux-là l'avaient refusé, on aurait pris personne d'autre. C'était eux ou rien. Ils sont là et ça nous fait plaisir. Le fondateur de la première marque française à avoir fait une collaboration avec Jordan, j'ai nommé la maison Château Rouge, Youssou Fofana. Et le rappeur, entrepreneur, chevalier de l'ordre national du Mali, 113, Mafia Quinfri, Mokobé. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Applaudissez très fort s'il vous plaît pour l'Afrique, parce que c'est une cérémonie africaine. L'Afrique, le berceau de l'humanité, la terre-mère. À mes côtés, l'un des plus grands stylistes au monde, Monsieur Youssou Fofana, Maison Château Rouge, faites du bruit. À ma droite, la grande star de la Guinée, il est là. Grand P, applaudissez très très fort pour lui s'il vous plaît. Il œuvre beaucoup pour son pays et c'était important qu'il soit là. Donc voilà, vous passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Grand P, tu veux dire un petit mot? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le public. Merci, je suis venu ici. Je suis content à Paris. Ok, merci beaucoup. La Guinée et à Paris, c'est la même chose, c'est la famille. Ok, je suis venu avec mon manager, Alpha Sila, avec Mokobé. Mon cube est gentil, Alpha Sila aussi, elle est gentille. Alpha, elle est là. Il a commenté, il faut l'appeler, il a commenté. Il faut l'appeler. Applaudissez très très fort pour lui, s'il vous plaît.
Comme c'est un prix afro aussi, j'aimerais rendre hommage à un grand groupe, Bissona Bisso. Applaudissez très très fort pour le Bissona Bisso. On est ensemble la famille. C'est très important avec les anciens. Ici, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort parce que c'est un grand, parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Il est là. Faites du bruit pour Stomy Bugsy, s'il vous plaît. Mr. Jackie Brown, faites du bruit. Calbo, Arsenic. J'aimerais aussi rendre hommage à la Mafia Quimfri. Applaudissez très très fort pour la Mafia Quimfri. Et on a sorti il n'y a pas longtemps un cuir qui coûtait 800 €. Et je voudrais rendre hommage à un bâtard sur Twitter qui a fait un tweet, excusez-moi. Il a dit, le cuir Mafia Quimfri à 800 €, même les mecs de la Mafia Quimfri ne peuvent pas l'acheter. Espèce de bâtard. On y va, on y va. Alors, bonsoir à tous. Donc la flamme de l'album Afro d'inspiration de l'année est attribuée à... Spence, hein? Sosa Chakola. Faites du bruit. La mélo est unique en son genre. La musique qu'il fait est inclassable et plurielle. Sur une prod de Niajiko, le titre s'inscrit dans les sonorités afro chères au cœur du jeune artiste. Le taf connaît pas la chance, il n'y a pas de secret. Sosa est le morceau afro de l'année. Laissez le bruit. Bonsoir. Bon là, je veux remercier encore le public, mes fans, tous ceux qui ont voté pour moi. Mais je vais laisser ma mère parler parce que Sosa, il est un peu pour elle. Ce sont... Ça veut dire que je vais faire honneur à ma mère un peu. Bonsoir tout le monde. Je vous dis tous merci grâce à vous. Il est là, donc grâce à vous. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à vous encore, bonne soirée et grand big up s'il vous plaît, applaudissez très fort Laura Luciano s'il vous plaît. Gros big up à toi mon frère. Non. Merci, la soirée continue et pour ce qui arrive tout de suite, je suis tellement fière les gars. La flamme qui suit est très importante pour moi et pour beaucoup d'entre vous ce soir. Elle vient récompenser, mais surtout remercier un artiste au talent qui dépasse les frontières. Une flamme qui met à l'honneur l'un des plus emblématiques représentants de la rumba congolaise. Oui, 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 qui est dorénavant inscrite au patrimoine de l'UNESCO. C'est pour ça que je suis honorée de remettre cette flamme exceptionnelle pour un artiste exceptionnel. Je suis honorée quand je reçois des notifications, des messages, des posts, des artistes qui respectent et me considèrent comme un des pionniers de la musique africaine en général, mais surtout la musique congolaise. Ça me fait toujours plaisir car nous aussi on a regardé les gens qui nous ont précédés, ils sont tous talentueux, je respecte énormément. La musique congolaise nourrit la planète. Aujourd'hui, il suffit de voir le nombre de rappeurs d'origine congolaise qui sont ici en France, qui sont les artistes congolais qui sont au top aujourd'hui. Vous allez comprendre que On est un peu trop talentueux en fait. Bonsoir.
tout d'abord, félicitations. C'est mérité, c'est... Voilà, quoi, c'est... La reconnaissance que t'as toujours mérité d'avoir, donc voilà. Grosse force à toi, mon vieux, on est ensemble comme jamais. Aigle. Félicitations pour ton prix. C'est le prix de l'Afrique, c'est le prix du Congo. On est ensemble, mon frère. Fali, c'est Doria, grosse force à toi. Félicitations pour ton prix. On est ensemble, fort, fort. Je te souhaite plein de bonheur et plein de force. Gros bisous. Fali, Pouba, Dicap, la merveille, El Maravilloso, El Pipi de Oro, El Pichichi. Tout ce que tu veux, Aigle. C'est tout ce que j'ai à dire sur Fali. Oh,
Ali, merci beaucoup pour cette performance, même si on sait que tu n'étais pas en forme. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Vous savez que dès lors qu'il a annoncé son U Arena, il y a plus de 30 000 places qui ont été vendues en moins de 24 heures. On a une flamme à te remettre, mais pour ça, je vais demander au prince Dadju et à la queen Jenny BSG de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Prince Dadj. S'il vous plaît, je suis heureux, on est heureux de remettre cette flamme exceptionnelle à Fally Ipupa qui est le capitaine du Congo. J'aimerais déjà qu'on fasse un maximum de bruit pour Fally, s'il vous plaît. On parlait des légendes tout à l'heure. On en a une juste là. Quelqu'un qu'on écoutait quand on était petit. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui écoutaient Fally quand ils étaient petits. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont fait un feat avec Fally aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il traverse les générations, il transperce les cœurs. Et voilà, il ne s'arrête jamais au Lembakate, en fait. C'est incroyable. Donc voilà, je te remets ta flamme. Et faites du bruit pour Fally Ipupa, s'il vous plaît. Merci. Vous allez m'excuser, vous allez remarquer que j'ai perdu ma voix. Je suis arrivé hier matin de Kinshasa. Je suis un peu malade, mais je tenais à honorer les flammes et le public. Donc voilà pour. Ben écoutez, moi je suis du genre à pas trop parler, mais bon, je suis obligé de faire des discours, même si c'est pas trop mon fort. Je remercie les flammes pour cet honneur, pour la considération. Et ça, c'est pour tous les artistes qui ont commencé leur carrière à Kinshasa, au Congo. Voilà. Yeah. Merci. Merci. L'Afrique. Merci beaucoup à tous mes warriors du monde entier et à tous les mélomanes de la bonne musique. Et à toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et merci de continuer. Et je vous donne rendez-vous le 25 novembre. Paris, Défense, Arrêt, en cause. Merci beaucoup, ma sœur. Merci encore, Fally. Merci encore. Je vous laisse maintenant découvrir la suite. Croyez-moi, ça vaut le coup de rester avec nous. À suivre bientôt dans les flammes. Doria. Toujours rien n'a changé dans mon camp. Qu'on est mauvais, très méchant. Y'a rien à manger depuis longtemps. Chez moi c'est passé de temps en temps. 2-3 soirées, 2-3 revêts, 2-3 amis qui prolongent 2-3 semaines. Si ça dégénère, bah tu sais qu'on est plus. Si jamais ça foire, tu sauras qu'on est. Hey, hey, ma monnaie nous fait m'embellir. Voilà rap, best des délits. J'ai chassé ma robe et j'ai sali. J'suis pas Dion mais j'm'habille en Céline. J'suis filtré, cherche pas sur Cali. Ta bitch c'est même pas sous Cali. J'ai mon pétard, elle veut que j'la câline. Céline. Et tu fais la rose, t'as pas chance de prendre le dessus. J'coupe ça dans Diacola. Elle m'attire des ennuis. C'est la rue, c'est comme ça. 5-6 heures, pas à 7. 4 sorties de peau, j'suis dans le 16. Faut mettre les dièses avant le 07. C'est qu'il est obs qui veut se faire crosser. Gasoline a vu sa kermesse. Les potes, les proches veulent gratter une caisse. Bah ouais. Eh les flammes, vous êtes chaud ou quoi ce soir? J'suis sorti du son technique en du Nord comme le premier gars. Ouh, que dire à la vie, c'est l'ironie du sort dans profession. Ah ouh, quand je pique au cœur, je ne vise pas les jambes. J'ai aucun tabou, que je m'épargne de problèmes conjugaux. À bout, je dois dire ce que je pense, pas penser à ce que je dis. J'ai pas le grimoire magique, un Piper FIB. Je suis rentré dans ta tête sans savoir ce que tu penses en regardant tes sapés ton dash du midi. La vie que j'aime, prise de tête à midi, à minuit. Je n'aimais plus de vie, ces gros clips, c'était les cyphos, c'est Fubis. On fait ce qu'on a dit, on les bouffe comme du riz. Je les regarde mal comme je tapais mon mot de passe. Les yeux fermés, cul mon talent, les baffes. J'en fais du sale comme si la fille arrête Charles. Je sors à chop avec elle, général. C'est la street, mon pote. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais.
Général, général, général. Mon cahier, en parlant le moins, on en apprend le plus. Hey. Ferme ta gueule, réponds après. Quand on est méchant, c'est que c'est mérité. Méchant, c'est que c'est mérité. Quand on est gentil, c'est que c'est mérité. Gentil, c'est que c'est mérité. Ah, on se ment pas, on se dit la vérité. On se ment pas, on se dit la vérité. Si seulement c'était vrai, ah, si c'était la vérité. Hey, hey, si seulement c'était vrai, ah, si c'était la vérité. Hey, hey. Gangster n'est pas une parodie. J'ai fait trois fois les enfers, trois fois Audi. Pas d'enfant maudit au paradis, mais des gros bandits dans une Audi. Pour triompher, me faut des résultats. On m'a retrouvé dans un débris spatial. Des résidus de tir, tout là-bas pour que les observateurs s'engagent pas. T'es au top, demain tout en bas. Dans le bac, tout en noir. Pour Patek Philippe, on te marre. On te fait du sale, tout de marbre. Ton rappeur n'est plus là, le chargeur est vidé. T'as rien inventé, tu me rembourses au lance-pierre. Argent du réseau derrière rafale de Uzi. Ça sert à rien de s'unir quand ça sert. Ça se coupe méchamment, ouais. Les yeux vont-ils s'ouvrir, elle. Son cul est charmant, je crois que les charros vont s'ouvrir. On va se maîtriser, y'a pas que toi au bendo qui est matrixé. Au sol, ton corps est-il d'allumer. Ton seul temps était peut-être de l'allumette. Bang. Quand on est méchant, c'est que c'est mérité. Méchant, c'est que c'est mérité. Quand on est gentil, c'est que c'est mérité. Gentil, c'est que c'est mérité. Ah, on se ment pas, on se dit la vérité. On se ment pas, on se dit la vérité. Si seulement c'était vrai, ah, si c'était la vérité. Hey, hey, hey. Si seulement c'était vrai, ah, si c'était la vérité. Hey, hey, hey. Dorian, maximum de plus pour elle ce soir. Merci, Jérôme, pour vous. Bravo à eux deux, bravo à eux deux. Les flammes. Cela, on l'a jamais fait à la télé, celle-là. Hein. C'est la street, mon pote. Tout le monde les prend en l'air. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lovés. Levez les bras si vous êtes fort, ma banlieue nord fait des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lovés. Levez les bras si vous êtes fort. Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est des putains sans feuille, pas nos cinq doigts. Département du bon char, on veut s'en mettre pas les fouilles. Mais petit, je te l'ai dit 100 fois, personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, ma ta misère est trop frêle et beaucoup trop laide. Pour qu'on s'entraide, faut du profit, trop long pour qu'on reste au beau fixe. Faudrait moins de flingues et plus de fric, car c'est le vécu. Chez nous, y'a pas de sécure et qu'on nous persécute. Oui, tu vas perdre face à Belzébuth. Si t'as fait de belles études, c'est mieux qu'une grosse peine, sais-tu. Que faire du bitume, c'est voir des frères qui s'entuent et qui s'entretuent. Enculé, moi j'ai crié ton plan ma cap. Plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la barre. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. C'est la street. Wow, 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 wow. Eh, déjà des instants classiques. Instants classiques. Big up à Doria pour ce qu'elle vient de faire. C'est super chaud. Elle a ramené le général Mac Taylor qui vient de nous balancer un classique. Les flammes, faites du bruit. Ok, ok, ok. La catégorie qui arrive tout de suite, elle est très, très spéciale parce que c'est la vôtre. C'est vous, le public, qui avez voté. Vous avez choisi votre vainqueur. Ok. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui ont voté. Vous avez été plus de 135 000. Alors, c'est clean. Tout de suite, la catégorie en question. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je te donne mon café par Bobo. J'utilise toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. Car trop peu me comprennent, maman. Trop de peine, maman. Mon cœur saigne, maman. Y'a plus de job, car les gens vont pâter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe, faut que la chope. C'est ma gasolina, y'a mes gasolines. Elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. D'ailleurs mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la légaine, kiffé la légaine. Jusqu'à ce que je taille. Mission, il va falloir que j'y aille. Je préfère voir mes habits plein de sang, mes amis plein de sang. Ouais, t'as mis ta babe sur le tech tech et tout est à l'eau sang. What you gonna do
si mes gars prennent ta Canada. Location toute l'année, mais ta Walou, en vrai ta nada. On coupe, on décale, on coupe, on décale, comme ça gagne. Prince qui m'appelle de BX, veut faire du son des bêtises. Putain, je suis chaud sur Bruxelles. Bon, vous avez voté pour lui, donc découvrons ensemble qui est le gagnant. C'est la première fois de ma vie que j'appelle un morceau intro, donc ça me fait plaisir d'à chaque fois introduire mes concerts avec ce morceau et que c'est toujours hyper impactant à l'entrée et puis la communion se fait directement avec le public et après tout roule. Tout le monde chante à tue-tête. Dès les premiers concerts après la sortie de l'album, les gens ils connaissaient déjà tout par cœur. Je savais que c'était un bon morceau, je savais que c'était un joli morceau, comme d'habitude, bien écrit, bien produit, etc. Donc je savais que ça allait plaire. Après, ouais, je me doutais pas faire un disque de diamant en si peu de temps, mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. On avait besoin de choses comme ça dans la culture, justement de récompenses. Je suis pas le plus populaire, entre guillemets, médiatiquement, donc ça fait super plaisir. On a craché les flammes, ça y est. Non, franchement, c'est lourd, hein, ça fait plaisir. En plus, vous avez fait ça bien. Merci à ceux qui ont voté. Et puis, force à toutes les équipes qui ont organisé les flammes, en espérant que ça continue. C'est une bonne chose pour la culture. On avance énervé. JOS pour la flamme du morceau de l'année. Merci à tous. Bang bang. Josman, bravo à lui. Il peut être fier de son public qui lui a donné la force qu'il fallait pour gagner cette récompense. Maintenant, ici au Châtelet, on continue la soirée en musique et pas avec n'importe qui. Pur produit du 92. Pur produit rap français. Le seul, l'unique SDM. Quand j'avais 20 ans, jouais de la vie comme on joue de l'amour. Un brolic chargé dans les mains, j'allais danser avec l'ange de la mort. Les mains dans la merde, donc elles sont faites pour l'or. Je mettais des gants, j'allais faire le boulot. Et encore j'avais 20 ans, à deux doigts de péter un boulon quand on partait en descente. On rentrait souvent gagnant, donc jamais déçu. Quand on sortait du Comic-Con, on repartait sur le rinté de suite. Le ciel me fait des signes, le ciel me fait un dessin. Et encore j'avais 20 ans, mais comme aujourd'hui le blanc prenait pour un singe, c'est sale cette mentalité toi. A l'OSD c'est pour de la CC. A toi je finis ma session, juste rappelle-moi si t'habites toujours dans le 16ème. Quand tu criais moi je tenais le sac, j'dors le poli, j'le monta à 200. Je me laissais pas déconcentrer par une grosse paire de seins, tu sautes des marches. Volume je monte à fond. Chaud, boulot. Volume, je monte à fond. Grosse voiture allemande, démarrage, te mal à mort devant ta femme. Si je le sors, ils vont détaler. Dans le bendo avec les bosseurs, y'a de la frappe, ça vaut le détour. On débite, ça t'étonne. Je veux pas être ami avec eux. Tu manques de la hauteur, okay, donc moi je suis pas ami avec eux. Moteur, c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je vais faire du shopping, graver des. On passe tous à la barre, mais aucun de nous passe aux aveux. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. J'ai que ma petite est veuve, je la dégoffe son divan. Et derrière, je suis devant. T'as sorti
forcément je suis plus là à la pub. J'ai les ports dans le rétro, 3-4. Sauf si faut, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Eh, eh, maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le peur à France, j'ai fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite, plus ça va. Maintenant ça va, faut que la vie d'avant. J't'allume si on arrive à négocier. Mes amis, c'est mes rêves. On se comprend avec les dieux. La rembrouille, on y va. C'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba, elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss, c'est pas avec toi que je veux causer. Elle c'est vraiment top tendance, je suis dans le fer avec Eza. Avec Eza, au lit d'allemand, je suis causé. Barreau sur mes liaisons, ma stature est à côté. J'accélère salement, je suis dans le body d'allemand. Je suis tiré de haut, tiré de haut. La sortie forcément, je suis plus là. À la vue, j'ai des portes en rétro. Voilà, sorti, fois je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Le peur à France, j'ai fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite, plus ça va. Maintenant ça va, comme la vie d'avant. Merci pour tout. Ocho. Merci STM. Avec un son comme ça, il est évident qu'il soit nommé pour la prochaine flamme. Et quelle flamme ! Pour la flamme de l'album rap de l'année, les nommés sont Hiver à Paris de Dinos. Entre les mains et chrome sur le cœur. Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. J'garde le T-Mac, j'ai le tracker. Porte de la chapelle, je vois les crackers. En double appel, j'ai le comptable. J'entends le flic, je réponds pas. Ouais, je suis bipolaire comme la guerre froide ou le fils de Donda. KMT de Gazo. D'aussi loin que je me rappelle, sans rien faire pour moi. Y'a ceux qui voudraient ma tête et ceux qui prient pour moi. Tu voulais que je sois plus méchant, tiens, me voilà dans toi. On m'a bien fait pour toi. Cette année, lien du sang de SDM. J'ai chanté pour la première fois. Cette année-là, le public connaissait pas. Oh, quelle putain d'année cette année-là. Pour remettre ce prix de soldat, on était obligé d'appeler le général. 9-3, tu peux pas test. 9-3, tu peux pas test. Mac Tailleur. Alors les flammes, on passe une bonne soirée ce soir ou pas? On est content? Moi, en tout cas, je suis ravi, je suis content après autant de temps à avoir œuvré dans ce milieu, de voir le rap français et toute la musique urbaine, toute la musique afro-caraïbaine représentée ici ce soir au Théâtre du Châtelet, où désormais nous sommes dans la culture officiellement. Voilà. Et on m'a sollicité pour l'album rap de l'année. Et franchement, je suis content qu'on m'ait choisi pour donner ce titre à l'artiste de l'année. C'est la street, mon pote. On va regarder ça. Oui. Oh, oh là là. Hiver à Paris, Dinos. Après avoir créé l'attente autour du projet, Hiver à Paris délivre ce que Dinos sait faire de mieux, le rap d'orfèvre qui l'a propulsé. Des productions travaillées, un rap pur sur une majorité de morceaux,
c'est tout ce qu'il lui fallait pour être album rap de l'année. Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. Car le témoin que j'ai le tracker, porte de la chapelle, je vois les crackers. Merci, merci. Je pense que c'est ce qu'il faut dire à chaque discours. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont donné ne serait-ce qu'un léger coup de main durant ma carrière. Ok, j'ai commencé il y a très longtemps. Mon premier album, j'ai vendu 3000 en première semaine, les mecs. Et je tiens à le rappeler à chaque fois. Quand il y en a qui commencent et qui font des scores légers, j'ai vendu 3000 et cet album, il est disque d'or aujourd'hui. Et je m'attendais... merci. Je m'attendais pas à gagner, honnêtement, très honnêtement, ce trophée. J'aimerais remercier Oumar parce que Hiver à Paris, c'est un album spécial. Il a cru en moi et certes, sur toute ma carrière, il a toujours cru en moi, même quand on lui disait de pas croire en moi. Mais Hiver à Paris, j'ai voulu faire un album spé. Et je lui ai dit, on va remplir Bercy avec un album sans hit. Et il m'a dit, t'es un fou, mais je te fais confiance. Et je te remercie parce que j'ai eu beaucoup de folie en studio. Je sais que je suis un peu fou. Merci de croire en moi, merci d'être là. Autre chose, pour toutes les personnes qui ont des rêves, toutes les personnes qui veulent entreprendre, franchement, croyez en vous, les mecs. Croyez en vous, c'est important, ceux qui nous regardent à la télé surtout. Croyez en vous, tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous voulez faire, faites-le. On n'a qu'une seule vie, qu'une seule vie. Si vous voulez rêver, voyager, baiser des putes, faites ce que vous voulez, kiffez, vivez, vivez. Et le rap, c'est pas obligatoire, il y a d'autres choses que le rap. Et dernière chose, encore une fois, puisqu'on est là, il y a toute l'industrie, j'aimerais qu'on soit plus unis les mecs, plus unis vraiment. C'est le moment, c'est notre heure, c'est notre culture, il y a monde tout, soyons unis. Faisons des freestyles à 15 comme à l'ancienne, des pètes à pas 160. Arrêtons les embrouilles, les histoires d'ego, les histoires de trucs, de suçage de beats. Soyons unis. Merci. À suivre, une très belle performance. Ils vont nous faire vivre un moment suspendu. En duo dans la vie comme sur la scène, Prince Wally et Enchanté Julia. Sèche la poupée. Je voulais refaire le monde avec des armes. Couper quelques têtes, quelques doutes et quelques têtes sur les épaules. La veste en cuir est dure à porter. Lucifer auprès du Seigneur a dur à porter. Je suis dans la certitude, les gros. Je suis dans la certitude et j'ai plus d'argent. Je me fais vieux et je vois un frère titubé. Pour ce cash, vêtements pleins de taches. Elle partage ma couche, devient brûlante quand je la touche. C'est mon arme à feu. Je dois quitter cet appartement, embarquement, direction la plage du débarquement. Je dois filer, Ivan est dans le Mercedes. Accident sur la route, on sent dans la Mercedes. C'est déjà minuit, la nuit est tombée. La pluie diminue, mes yeux inondés. La vie continue, mais je ne t'oublie pas. Ah, sur la route, quand il pleut des cols, la voiture est dans le décor. Plus on souffle, plus rien ne ressort. Pluie d'amour, dit pluie de tension. Dans nos cœurs, y'a plus de chansons. Plus le temps est long et plus je sens. Mercedes, en feu de détresse. Mon sang dans la mer se déverse, laisserai en vue ton SMS. L'hémoglobine se disperse et berce. Les flots qui deviennent rouges et bleus comme Paname. Sentiment incomparable quand les flammes s'éteignent. Fauché par une femme célèbre, suspendu à ses lèvres. Je sens que mon âme s'élève. À présent nous irons de paix. L'impression de renaître quand à l'horizon se perd. La vision de ma prison de chair. Chaud comme prison l'hiver. Fleurs prennent pénitencier. Pour les loves, Cupidon se fait licencier. L'amour est distant, c'est pas les billets qu'on dépense. C'est urgent ce soir, on verra les urgences. Sur la route quand il pleut des cordes. La voiture est dans le décor. Plus un souffle, plus rien ne ressort.
les chansons. Plus le temps est long et plus le son. Sur la route quand il pleut des cordes, la voiture est dans le décor. Plus un souffle, plus rien ne ressort. Pluie d'amour, dit pluie de tension. Dans nos cœurs, y'a plus de chansons. Plus le temps est long et plus je sens. Baila, baila, ta. Baila, baila, ta. Baila, 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 ta. Plus le temps est long et plus je sens. Le micro. C'est fort ce qu'on vit ce soir, c'est fort ce qu'on vit ce soir. Et pour la fin, il y a encore du très très lourd à venir. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, puisque c'est maintenant l'heure de remettre une des flammes les plus attendues de cette cérémonie. Pour la flamme de l'artiste masculin de l'année, les nommés sont Dinos. Intérieur qui a chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. J'garde le T-Mac, j'ai le tracker. Porte de la chapelle, j'vois les crackers. Gazo. D'aussi loin que je me rappelle, sans rien faire pour moi. Y'a ceux qui voudraient ma tête, et ceux qui prient pour moi. Tu voulais que je sois plus méchant, tiens, me voilà dans toi. Tiakola. C'est ma gasolina, y'a mes gasolitas. Elle veut rentrer dans ma tête. Je veux pas continuer. C'est ma gasolina. Y'a mes gasolina. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. Pour remettre ce prix, pionnier du journalisme rap, pardon, cofondateur de Bouscapé, accueillez comme il se doit FIF. La bouche est sèche. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon moment. C'est très beau ce qui se passe, franchement, je suis fier, je suis fier, je suis fier. J'ai pas de discours, hein. Là je suis en mode freestyle, mais je suis rempli d'émotions. Quand on sait d'où ça part, du quartier d'Évry-Courcouronnes, et qu'aujourd'hui on en soit là, aujourd'hui au Théâtre du Châtelet. Tout ça, ça part d'un site internet les gars, bouscapé.com. Merci Bouscapé, merci Yard, merci à tout le hip-hop français. Donc aujourd'hui, je vais remettre le prix de l'album de l'année desservi à Arsenic, quelques gouttes suffisent. Ça, c'est ce que j'aurais dit en 1999. Il est si fin, subtil. C'est ce que j'aurais dit en 1999, quand pour la première fois le rap a eu sa catégorie aux Victoires de la Musique et qu'on s'est fait voler. Dans cette catégorie, il y avait Arsenic, il y avait Stomy Bugsy, il y avait NTM, il y avait MC Solar, et le rap a perdu. Mais à ce moment-là, on aurait dû se douter de ce qui allait se passer après. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est le rap, c'est le flamme, c'est les flammes, et c'est le hip-hop, et c'est le hip-hop qui gagne, c'est la culture hip-hop qui gagne. Tout à l'heure, Farid a dit un truc, il a dit, il ne faut plus dire le mot urbain, musique urbaine, on ne dira plus musique urbaine. C'est la musique hip-hop. En 2023, c'est les 50 ans de la naissance du hip-hop. Donc, du bruit pour le hip-hop. C'est notre culture, les gars, c'est important, on s'est battu pour ça. Vous savez très bien tout ce qu'on a subi. On part de très, 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 très loin. Donc, c'est important de le notifier. OK ? Merci. Si on en est là, c'est grâce à nos anciens. Donc, voilà, je ne peux pas tous les citer, mais il y en a qui sont là. Stomy Bugsy, Ministère Amer, Sectora, Arsenic, Negmaron. Merci beaucoup. Le Raluciano, l'AFF, NTM, IAM, Assassin, tous nos anciens. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Et voilà, on va perpétuer le combat. Merci beaucoup, les gars.
Du coup. C'est moi qui dis le blaze ou pas? Allez, vas-y. Attends. Non, c'est, sinon c'est toi. Je peux juste regarder. Non, t'as assez parlé. Regarde. Okay, okay. La flamme de l'artiste masculin de l'année. Gazo. Oui. Fallait qu'il bête, et faut le dire, il a tout vécu. En 2022, Gazo a été inarrêtable. Le champion français de la drill a prouvé qu'il était finalement bien plus que ça avec son nouveau projet KMT, déjà certifié double platine. Bon bah, j'ai pas trop parlé longtemps, sinon je vais me ficher. T'as capté? Merci à tout le BSB, merci à Pauline Joueur, Sony, Epic, franchement, et merci à tous ceux qui soutiennent. Ça flingue, tous les artistes. J'espère que ça va continuer longtemps, j'espère qu'il y aura plusieurs éditions. Et on va tout faire pour y participer, pour y mettre un peu du nôtre. En tout cas, merci à tout le monde. Big Kalash là, bosse en moins, t'en plaît. Merci à vous, vivez le hip-hop. Y a rien. La prochaine catégorie est importante pour moi, parce que si j'ai fait de la musique, j'aurais été nommé. Plus sérieusement, cette catégorie, je suis content de l'annoncer, parce qu'elle va mettre en avant une femme, et j'adore les femmes. Mais je pense que toi, t'es resté trop longtemps là-haut. Laisse-moi continuer, mais mon c'était, gars. C'était le moment où j'allais me mettre bien avec quelqu'un. J'allais enfin me mettre en couple. Écoutez, tu viens gâcher mon truc, mon moment. Tu dis n'importe quoi, continue à manger des biscuits, wesh. Donc tu viens de griller mon plan, ok. Tu as tout compris. Vas-y, continue. Mais Driver a raison. Je suis très contente d'annoncer la prochaine catégorie parce qu'elle va mettre en avant une femme et qu'on doit clairement sortir de ces clichés qui disent que les femmes sont toujours en constante rivalité. C'est faux. Mes sœurs, je vous le dis toutes, voilà, toutes celles qui sont là. Ce que vous faites, ça tue, peu importe ce que vous êtes. Là, je vois tout le monde, je vois Sally, Mago Flora, les gars, tout ce que vous faites, ça tue. Je vois Aya, ça tue, ça fonctionne. Donc, je suis très contente d'annoncer la prochaine catégorie. Pour la flamme de l'artiste féminine de l'année, les nommés sont Aya Nakamura. Juste un SMS, sans lui. Lala Ace. Fallait dire non, 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 non. Pourquoi j'ai pas dit non, 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 non. Ronisia. Tu veux me faire danser, je te fais perdre tes repères. Je peux pas tout donner, y'a que toi qui sais faire. Ok. Et la gagnante est Aya Nakamura. Oui. Malheureusement, Aya a dû partir. Donc je vais garder son prix pour moi en fait, parce que les absents ont toujours tort. Mais elle nous a laissé un message vidéo. Salut, c'est Aya. Je viens de recevoir le prix de l'artiste féminine de l'année. Franchement, je suis hyper contente. Je suis vraiment, vraiment fière parce que j'ai été nominée avec des artistes de ouf. Et félicitations aussi aux autres femmes qui ont été nominées parce que c'est un grand avancement, cet événement-là, pour tout le monde, que ce soit au niveau des rappeurs, au niveau des réalisateurs, au niveau des chanteuses. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais bon, c'est un moment que moi, j'attendais depuis longtemps. Et je suis très fière aujourd'hui de recevoir ce prix-là. Je n'ai pas pu être là parce que je suis en répétition pour mes Bercy. Du coup, bah, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Je suis désolée, mais je pense que je viendrai l'année prochaine, si Dieu le veut, ça c'est sûr, obligé. Et voilà, c'était Aya Nakamura pour la flamme de l'artiste féminine de l'année. Encore félicitations Aya Nakamura, je vous laisse maintenant en très très bonne compagnie
pour un show extraordinaire avec deux artistes qui ont marqué l'année 2022 avec deux styles si différents mais si complémentaires. Je vais me lancer dans le rap, les gars, je crois. Mange, arrête de manger tes gâteaux. Est-ce que les gens sont chauds ce soir au théâtre du Châtelet? Non, 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 non. J'ai dit, est-ce que les gens sont chauds ce soir au théâtre du Châtelet? Si vous êtes là, faites oh yeah, oh yeah. C'est oh yeah, oh yeah. C'est clean. Hey, j'aime ça, j'ai l'impression que c'est mon concert. C'est clean. Bon, les gens se préparent derrière. J'ai pas envie de donner les noms. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu les répétitions et que ça va être incroyable. Ce show va être chaud et intense. Donc, mettez-vous bien. Moi, vous me voyez pas, mais je suis au-dessus de vous. Donc je vois tout, je vois les cheveux, je vois les calvities, je vois tout. Mais moi, comme je suis en haut, j'aimerais voir tout le monde avec la main en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde la main en l'air, les flammes, c'est le moment. Tout le monde la main en l'air, tout le monde la main en l'air. Je vous vois, je vous vois. Il y en a qui ne lèvent pas la main, hein. Je vous vois, vous êtes fatigués. Mais ceux qui lèvent la main, je suis avec vous fort. C'est clean. Ouais, c'était mon petit moment. Prenez votre temps, parce que ce qui va arriver là, c'est un moment très, 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 très chaud. Ça va être légendaire. Je vous le dis tout de suite, il y a déjà des instants classiques. Vous avez vu Mac Taylor, comment il est arrivé avec 93 Hardcore? On sait déjà que c'est un instant classique, pas besoin d'attendre. Eh bien là, ce qui va arriver, instant classique. Les choses se mettent en place. Quelques images en attendant, s'il vous plaît. C'était, si je me trompe pas, ouais, janvier 2020, à la suite d'un appel que j'ai eu avec Johan Pratt, donc qui est un des cofondateurs de Yard. On a discuté en fait du fait de créer une cérémonie, etc. Il m'a dit ouais, ça serait bien qu'on se rencontre, qu'on essaie de mettre nos forces en commun et tout pour créer cet événement. Et à la suite de ça, il y a eu donc le confinement et c'est là qu'on a commencé à en discuter. Donc avec les équipes de Yard et Bouscapé, on faisait des calls où on parlait de tout ça. Et c'est là qu'est née l'idée, en fait. C'est là qu'est née l'idée, et petit à petit, ça a fait son chemin. Non, mais je pense, si on remonte à la genèse des flammes, en vrai, je pense que ça correspond à ce que, aussi bien New Yard que Bouscapé, on est venu faire dans ce game depuis le début. C'est-à-dire qu'on a toujours été, on s'est positionné, tu vois, un peu en réponse à ce qui n'était pas fait, que ce soit dans l'espace média, New Yard sur l'espace agence. En fait, comment aujourd'hui, nos gens, nos communautés, nos cultures, elles sont respectées. Et bien entendu, en fait, on a très vite cerné qu'il montait ce moment de célébration. Bien sûr, il y a eu les bad buzz des victoires, mais au-delà de ça, tu vois, c'est, je sais pas, on a tous grandi, Culture Quinry, les BET Awards, MTV Music Awards, les Brit au UK, tu voyais ce truc-là fort, on se disait, mais pourquoi on n'a pas notre truc? Et je pense que de base, tout ça, ça vient de reprendre notre terrain,
Il y a un mot que j'aime bien, c'est en quinri, c'est ownership. Tu vois, c'est comment on devient propriétaire de notre propre culture. Aujourd'hui, notre culture, elle pète, elle monte, mais c'est à des initiatives comme nous d'arriver avec ces choses-là. Et ouais, du coup, je pense que les discussions, elles datent depuis 2018-2019. Ensuite, il y a eu le Covid, parce qu'en toute honnêteté, c'est quelque chose qu'on voulait sortir avant, qui a vraiment failli se lancer avant. Il y avait tout pour, le lieu, le théâtre était là, on avait les partenaires, on avait tout pour. Le Covid nous a mis une bonne petite balayette. Et après, sortie de Covid, on s'est remis dedans. C'était dur, sortie de Covid, parce que tu vois, genre même de rembarquer des partenaires sur un événement physique, etc., c'était pas trop le thème, tout le monde était un peu frileux. Mais après, ouais, je pense que l'élément déclencheur, ça a aussi été SCH. Ça a été ce moment-là où on s'est dit, en vrai, là, il faut annoncer. Nous, on travaillait déjà dessus depuis longtemps. Donc, on avait déjà les assets, les teasers et tout. Tout était déjà prêt. Et le matin, on parle dans le groupe. Je crois que c'est moi qui dis par rapport à ce que SCH dit, etc. Même si on n'a pas encore notre partenaire, on n'avait rien. Hein. On n'avait pas de partenaire. Hein. On avait juste l'idée. Juste l'idée, le nom et la DA. J'ai dit, venons, on balance le teaser. En fait, venons, on met le teaser et ça va s'agiter après derrière. Et quand on a balancé le teaser et qu'on a en plus, on l'a envoyé un peu en exclu aux gens de nos réseaux et tout, en leur disant qu'on allait faire une annonce à tel moment, etc. Tout le monde est venu toquer à la porte le lendemain. Ça y est, ils sont enfin prêts. Je me permets. Dans le BM, j'ai mis le contact. Y'a les ticos, les cœurs, c'est un petit tour dans le secteur. Hey, hey. Et si tu fais l'acteur, on te fera danser pour le spectacle. Hey, hey. Des envies noires, d'autres ni comme je veux pas hésiter. Je veux pas hésiter. Je veux pas hésiter. Je veux pas hésiter. Dans la dans les bas, ils sont. Des rafales dans les saliers. Merci aux clients fidèles. Et chaque milliard de billets. Merci aux clients fidèles. Des rafales dans les saliers. Hey, hey, hey. Les bons vont se remplir de cocaïne. À la base, vous voulez que pecter nous. Hey, hey.
Kamala et Gangs. Gras. Hey. Gras. Gras. Hey. Hey. Ils veulent que je le raconte. Ils veulent que je le raconte. Et même si ça leur disait tout, genre je me la raconte. Hey. À la rue j'ai dû faire mes boys. Obligé de voler pour la maille. Je n'ai pas dormir où ils payent. C'est pas ta mère qui paye à Grey. C'est Aja, c'est qui shoot. On sait tout ce qui est volontaire. On a aucun à l'habitude. Les homicides involontaires, le temps que mon cœur est dans les champs. Comme un temps que j'ai pas vu mon père. Voilà que j'ai toujours eu des jambes. Alors j'ai jamais eu mes pères. Fallait qu'on pète ton bec, bec. Fallait qu'on pète ton bec, bec. Tu veux qu'on trouve des becs, hey. Sans gluc et sa boum, boum. Sur une taille et sa fête. Donc peux-tu bien voir si t'as les gros. Sur la rater ça te fait ta fée. Toujours que ça te fait ta fête. Tous les gens m'aider. Hey, hey. Ma monnaie ne fait que m'empérir. Voir le rap et j'fais les délits. J'ai j'reste ma rue et j'ai sali. J'suis pas Dion mais j'm'habille en Dion. Ils sont filtrés, j'ai que sous Cali. Ta bitch ils aiment pas sous Cali. J'ai mon pétard, elle veut que j'la caline. Et tu fais la resta parce que t'as des certis. Faut qu'elle t'ait déjà mon esserti. Ton cas veut un ordi qui a beaucoup de débiles. Mon goro est en mode azerti. Hey. Gras, gras, gras. À sa foule là j'fais des péchés, j'suis sous belle vie. Tous ces négros croient que j'ai pacté pour une belle vie. Parce que j'suis un bébé et un Dolce & Gabbana. J'oublie ma haine quand j'suis entouré de filles de joie. Avec le seum dans le front, j'appuie le mal. Ils sont chelous parce que je m'endormirai pas sans ma. Faut que je finis mon lin. Hey, la malaise gangsta ils sont chiens. Hey, faudrait que je finirais célib. Avant je faisais meilleur plus en vélib. On n'est pas des pasteurs mais si tu veux on délivre. On n'est pas des pasteurs mais on délivre. Hey, et tu peux goûter c'est un délice. On se connaît up si à la police. D'ailleurs mon zébien c'est Boris. On t'allumera toi et tes masters. De l'anonymat, tout l'op et basta. Je me sens cool comme une piñata. J'ai la plus sexy et t'as la piñata. Ces rappeurs veulent voler notre délire. J'ai des putains donc je finirais célib. Avant je faisais meilleur plus en vélib. On n'est pas des pasteurs mais si tu veux on délivre. À sta fou là je fais des péchés, je suis sous belle. Tous ces négros croient que j'ai pas des bouts, belle vie. Parce que j'suis un bébé et un Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana. Entouré de filles de joie, dans le front j'appuie. Et où est le mal? Ils sont chelous parce que j'm'endormirai pas sans ma. Faut que je finis mon lin. Hey, la malaïque est de son chien. Gra, 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 boum. Hey. Gra. The bang, bang. Coca Charco et l'ingé. Gra. Every day, my man. On est ensemble. Gra. Hey. Hey. BSB, la famille. Hey. Gra. Tu crois que je t'évite alors que je m'haïs. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux toi. Jusqu'à ce que je taille. Mission il va falloir que j'y aille. Jusqu'à ce que je taille. Elle veut savoir comment que je m'aille. Une nouvelle cargaison. Donc partout je la répands. On achète on revend. On arrête on reprend. Nouvelle cargaison. J'attends les faits, j'suis plus un ange, je sais en effet. On était liés mais on s'est défait. Devant les gens, ils me diront mon frère. Première occasion pour se rendre à me faire. J'me roule un grip pour me calmer les nerfs. Et on se dit allô quelques millénaires. Veulent voler mon flow, ils veulent voler ma zik. Mais c'est mes baby des tout petits loups. Pour eux qui des bof et des coups de genoux. Des matates des guettes à toutes chez nous. C'est l'or qui a bip, mon bigo magique. Quand caillou arrive, j'suis dans le carrosse. Appelle à Paris des tout petits bouts. J'en midi pas midi pas midi bouts. Tu crois que je t'évite alors que je m'haïs. Elle veut savoir ce dans quel bail. Mix de l'âme ensemble sans. Dis où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux toi. Jusqu'à ce que je t'haïs. Mission il va falloir que j'y aille. Jusqu'à ce que je t'haïs. Elle veut savoir comment que je m'haïs. Oh.
Gra gra boum. Quand tu vois les choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre. Malgré les serres, malgré le seum, je dois faire les sommes, remplir des salles, refaire du sale, refaire du son. Sur les bleus, ça verse l'essence, ça a même pas commencé. Ça veut tirer sur mon sort, je me suis même pas prononcé. Je sais très bien comment c'est. Si tu savais, si tu savais, trop de fois où j'ai donné, trop de fois où j'ai donné. Je vois plus le soleil, toute l'année c'est l'hiver. Je passé de 2 à 15, je passé de 2 à 15. Pas les couilles leur histoire, je suis venu marquer la mienne. Laisse-les faire les bobies, moi c'est Yaki sur le papier. Y'a qu'il osait pour nous soigner. C'est vrai qu'il y avait toi, mais si jamais je me fais coffrer, qui va payer mon toit, wesh? Y'a ça pour me soigner, que ça pour me soigner, que ça pour me soigner, que ça pour me soigner. J'ai remis la tenue pour donner, j'ai remis les gants pour missionner. Évidemment, je suis sauf, j'ai remis les gants pour missionner. Ça commence par comment ça? Quand tu vois les choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre, et le bruit du pétard pour se consoler. Comment ça? Quand tu vois les choses qu'on peut pas consommer, ça finit en massacre, et le bruit du pétard pour se consoler. Toujours des comment ça? Tout n'est pas violé. Les flammes, ça dit quoi ou quoi? Ça va ou quoi? C'est ma gasoline. Hey, hey, je veux voir tout le monde debout. C'est ma gasoline. Hey, y'a mes gasolines. Tout le monde debout. Hey, hey. C'est ma gasolina, et mes gasolitas, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina, y'a mes gasolitas, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. 11h43 chez les deux cons, les ennemis me font pas peur. Le four ouvre à midi, j'ai des outils dans le jean. La vengeance veut prendre le dessus, j'coupe ça dans le congélateur. Yeah. À m'attire des ennuis, yeah. C'est la rue, c'est quoi? C'est ce que j'ai, c'est que j'aime. Puis l'on me massacre tout ce que j'ai. C'est beaucoup trop noir ce qu'on projette. À part la santé, tout s'achète. J'arrache le sol en séquentiel. J'envoie mes prières vers le ciel. Dans l'automne chauffant sont les sièges. Mais l'eau de la cahier sans sol fait. Et quand j'entends aha, la première chose à faire c'est me benda. Gasolina veut que je prenne sa main. Que je manipule encore trop doucement. Les écoutes au bigo. Donc faut rester dans l'anonymat. Je te ramènerai dans un autre niveau. Si t'es ma gasolina. On va les attendre. Pas faire couler le sang. Attendez faire douceur. On va les attendre sans menacer. Le septembre a commencé. Et y'a que Dieu. Un selfie. Je veux pas être ton idole, mais ton inspiration. Message-le qu'un dernier message. Tout le monde, 3, 2, 1, 3, 2, 1, tout le monde. Ok. Y'a pas de distraction, t'es pas d'histoire. Ici y'a 10 heures, avant la bête de dame. C'est l'heure des gérants, y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Oh, ça pose des bangers vers Meda. Un produit pour faire un murder. Ils savent qu'on est prêt pour un murder. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. C'est pas avec la force qu'on va céder. On a quitté la table, ils ont fait des enquêtes, on a fait des jaloux. Laisse-moi me taper des barres, quand j'entends qu'ils disent l'avenir est à nous. On a vidé des sacs, ils ont vidé leurs poches, on a repris le club. Avant d'être une resta, avant d'être la mélo, j'ai un enfant du bloc. Ici on se promène pas deux fois, écoute bien, on se répète pas deux fois. Sur le terrain j'ai marqué deux fois, au studio je fais plus de deux fois. Les flammes ça dit quoi? Dernier refrain quoi? On y va, 3, 2, 1, et je suis dans Paname. Y'a pas de distraction. C'est l'heure des gérants, y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Comment faire? Ok, si j'avais, comment faire?
J'aurais moins de problèmes dans ma tête. J'oublierai le mal qu'on m'a fait. Je te jure sur ma tête. Et si jamais je m'en commentais, me donne pas ton avis. Et tu crois que je lis les commentaires. Mon refrain, dis-moi tout. Je rêvais juste de billets verts. Je rêvais juste d'être millionnaire. Mais je ne rêve plus, j'ai plus sommeil. Tu sais que la nuit me conseille. Mais ces conseils sont mauvais. Tu vois, tu sais qu'on s'en veut. Voilà plus donc tu t'en vas. Trop de déclarations suffiront pas pour qu'il y ait des actes avec. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. C'est pas des blagues qu'on veut, ils disent qu'ils veulent nous, mais on sait ce qu'on vise. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Higo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Trop défoncé, tu sous-codé, il chante plus mon cœur, chante plus mon pouls, j'ai trop de haine pour te faire l'amour. Hey, on le fera si on se revoit, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Trop défoncé, tu sous-codé, il chante plus mon cœur, chante plus mon pouls. Change-moi l'approche de la mort. Mentalement, la gueule trop me guérit, médicinale et ma beuca. J'ai des gazos qui sont partis, je dois aller déposer des fleurs. De l'intérieur ça m'est détruit. Même si j'arrive plus à pleurer. Pour l'op aussi de la ceinture. Crois-moi que c'est pas pour eux. Jusqu'à ce que j'ai plus mal. Je me resserre et je vois. Tous mes sentiments je vois. Tous mes sentiments je vois. Ligne dans ma peignoire. Ligne dans ma peignoire. Bloc sur mon peignoire. Bloc sur mon peignoire. Fondé mais je me roule en joint. Je roule en street. Je suis loin. Loin. Aujourd'hui elle s'appelle des rois. Hey, hey. Des rois. Wow. Hey. Du bruit pour vous les flammes, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, respect. Flangage la famille. Ah quand même. D'ailleurs mannequin sans forcer. Du bruit pour Tiakola, Gazo et Ersko. S'il vous plaît les gars, calmate. Il nous a quand même fait l'honneur de descendre de sa cabine, s'il vous plaît. Fais du bruit pour mon gars Driver. Quand même. Salut tout le monde. Hey, vous êtes magnifiques de face. Vous êtes magnifiques. Merci. Le gars est trop soigné, bordel. Pop mon col. Bon, c'est le moment d'annoncer la toute dernière flamme de la soirée. Et pas des moindres. C'est le moment d'annoncer la flamme Spotify de l'album de l'année. Pour remettre la flamme Spotify de l'album de l'année, j'appelle avec moi sur scène le patron monde de la musique chez Spotify. Le gars, il textote Beyoncé, Lady Gaga. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle parce que j'ai pas réussi à avoir de place pour son concert, mais bon, on en parlera après. Toi, c'est Lady Gaga, moi, c'est Beyoncé. Non, moi, c'est Beyoncé, justement. Parce que, ouais, voilà, on a un peu de. On en parlera après. Okay. On va l'accueillir. On va accueillir. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Jérémy Ehrlich. Bonsoir à tous. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur de venir célébrer cette toute première édition des Flammes, ici même, dans l'un des temples de la culture française. Chez Spotify, notre job, c'est de créer des ponts entre des artistes et leurs fans potentiels, un peu partout dans le monde. Et ce soir, à travers cette cérémonie, c'est enfin l'occasion de rassembler et de fêter ensemble ces cultures, ces artistes, et ces publics qui sont aujourd'hui plébiscités par des millions de Français et de francophones. Et quelle fierté pour moi de remettre le prix La Flamme Spotify de l'album de l'année. Les nommés sont... Hiver à Paris, de Dinos. Intérieur qui a chrome entre les mains et chrome sur le cœur.
Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. Je garde tes mains, j'ai le tracker. Porte de la chapelle, je vois les crackers. En double appel, j'ai le comptable. J'entends le flic, je réponds pas. Ouais, je suis bipolaire comme la guerre froide ou le fils de Donda. KMT de Gazo. D'aussi loin que je me rappelle, sans rien faire pour moi. Y'a ceux qui voudraient ma tête, y'a ceux qui prient pour moi. Tu voulais que je sois plus méchant, tiens, me voilà dans toi. Aucune pitié, on l'écrit, on m'a bien fait pour toi. Mélo de Tiakola. C'est ma gasolina, y'a mes gasolitas. Elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina, y'a mes gasolitas. Elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. Alors, la flamme Spotify de l'album de l'année est décernée à... Gazo. D'Acadine au guise de protéines. Tu connais chez nous que la 09. Si je sors le faire, c'est pas pour les meufs. Zéro blé, j'ai des gaines, pousse-toi, grip. J'ai pas le tanken, mais tu peux me laisser. Au pire des cas, je me casse pendant que tu naisses. T'es mal à Kishta, t'es mal à taille de la Kishta. T'es mal à Kishta, t'es mal à taille de la Kishta. Fais un plaisir, fais monter tout le BSB gang ici. C'est le moment du BSB gang, hey, la mala est gang. Venez ici, venez ici, venez ici. C'est le moment, fais venir tes gars, fais venir tes gars. Ils sont en bouffon, ils ont peur, ils sont en bouffon là, c'est la lignée là, t'as capté. Ils sont en bouffon, ils ont peur du public. T'as capté ou pas? Les gars, comment? Bon, vous savez la famille, j'ai pas envie de me ficher, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je vais laisser un gaz à moi parler, Charcovi. Charco, tu vas parler, Charco. Il s'exprime le mieux, t'as capté? Eh hey, mais, il ressemble à Offset, lui. Ça va? Yo, les flammes, ça dit quoi? Ça dit quoi? Vous êtes là ou quoi? Moi, comme mon gars, je suis pas bon dans les discours, mais merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Merci à Chaco, merci à Kalash, merci à tout le public, tous les gens qui streament, tous les gens qui nous aident. Et un grand big up à Blaski, Blaski, Rolls-Royce Fantôme, merci mon ref, merci beaucoup. Ça bouge pas, grand big up à tous les frérots qui nous ont donné la force, Kalash, les frérots, Chakola comme il a dit, tous les frérots, vraiment tous les frérots, parce qu'on a, on a reçu beaucoup de soutien dans tous les sens, les anciens, Stone B, Bugsy, ça bouge pas ou quoi, franchement, il y a trop de monde, je veux pas citer tout le monde, mais en tout cas, les gens se reconnaissent, ça fait plaisir, merci beaucoup la famille, on est ensemble. Bravo à tous, bravo Gazo. On peut l'applaudir une fois de plus. Merci à tous d'avoir regardé la première cérémonie des flammes. Faites du bruit pour vous. Merci de porter haut et fort les couleurs des cultures populaires. Merci. Ils sont dépassés comme des Dreamcast. Hey, négro du rap comme un 2004. Avant 30 ans faut que je dépasse les 2004. Montclair, allemand, mentalité allemande. Dans les pockets j'ai la quicheta, le lin, les antidépresseurs et les calmants. J'ai v'là en réflexe comme Allison. Négro j'suis foncé dans le vaisseau comme Harrison. Carré New York comme le Madison. À Dakar sur la corniche comme le Radisson. Versace pour les sandales, faut que c'est négro. C'est des snitch, c'est des randals. En CF alors flow fait 100 balles. Rien que je les croche, les mets dans la sauce 100 balles. Hey, nouvelle loubou, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle loubou, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Brille vers 4, on les pique au cou. Mercedes, CLS, concurrence, PLS, BSB, 667, Black Mafia comme BMF. Négro, j'arrive Londres comme Dick Dat. Équipe, pop des pills comme des tic-tac. On les casse en 4 comme des Kit-Kat. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Bow, flexi. D'Acadine en guise de protéines. Banks. Tu connais chez nous que la 09. Si je sors le fer, c'est pas pour les meufs. Zéro blé, j'ai des gaines, pousse-toi, grip. J'ai pas le tanken, mais tu peux me laisser. Au pire des cas, je me casse pendant que tu naisses. T'es mal à Kishta. T'es mal à taille de la Kishta. T'es mal à Kishta. T'es mal à taille de la Kishta. On veut qu'accumuler du move. Et on est prêt à finir dans la presse. Ces bitches ont kiffé nos moves. C'est réciproque, arrête des jolies fesses. Sexy,
Wouah, wouah. On a la gova, roule un graille, on parle. Prends ton kilo et tes grammes, on part. Si tu veux couiller, on va te buter.